Ça va? Vous êtes bien installé? Est-ce que ça n'a pas un peu glitché chez vous, par hasard? L'image est un peu bizarre, mais l'humeur est nickel. Vous savez quoi? Bienvenue dans les nouilles rampantes. Bon, ça s'est coupé un peu rapidement, vous m'en voudrez pas. Hop, allez, bonjour à tout le monde. Transition 2000. On n'a pas eu le temps de... Voilà, de... ici maintenant on est sur quelque chose de... d'efficace. Comment allez-vous ? On est à l'heure ou on n'est pas à l'heure ? On est à l'heure. Alors 22h05, oui, ça m'aidera parfois. Le compte à rebours compte. Exactement. C'est le lancement du live. Exactement. Mais donc du coup, on était tellement heureux de faire le compte à rebours à l'heure, quoi, que du coup, il n'y a pas d'intro. J'ai pas de texte là pour le début, donc vous êtes un peu en ce qu'on appelle communément dans le jargon automobile une roue libre. Bienvenue à vous dans cette 28e petite repas, petite collation de nouilles rampantes. Merci à tout le monde. Bah déjà bonjour à tout le monde. Merci pour tous vos subs, évidemment, si vous nous regardez sur Twitch maintenant. Sachez que chaque sub que vous nous offrez, c'est un kilomètre de train en plus que vous faites faire à nous, qui nous permettent d'aller progressivement vers peut-être une émission IRL depuis une maison hantée. Ah, la musique est légèrement trop forte, et ben on va légèrement la baisser. Voilà, parce que comme ça c'est mieux par hasard. Et puis nous on est peut-être pas assez fort aussi. Voilà, là on est beaucoup mieux. Comment ça nous on est pas assez fort? On est hyper fort déjà. Merci beaucoup à vous. Merci là à l'instant, j'ai vu la Nymphe des Bois qui a ce B, j'ai vu Miss Purply qui a ce B, j'ai vu des premières personnes qui arrivent ici, par exemple Dabzan 5. Bonsoir mon vieux, ma vieille, que sais-je. T-Sider qui dit le live a commencé à 22h01, je ne tolérerai pas de telles inepties. Nous avons sciemment commencé le machin à... Il était quoi? Il était 21h58-59. Ouais, on a lancé le compte à rebours pile à l'heure. Exactement. Thomas. Bien, oui. Bonjour Boulet. Bonjour Thomas, comment ça va? Comment tu vas? Ça fait tellement plaisir de te revoir. Mais ça fait incroyable que tu sois ici. Ça faisait si longtemps. Je ne t'ai pas vu venir. J'ai changé de tabouret. Ah, c'est ça. Je disais, j'étais content, j'ai un nouvel angle. Est-ce que tu ne présenterais pas notre invité? Alors oui, bien sûr. Vous aimez les bâtiments? Non. Vous aimez vous promener dans des endroits? Surtout pas. Les sorties, tout ça, non. Imaginez des gens, ou des bâtiments, pardon, où on enlève les gens, qui sont principalement le premier obstacle à l'appréciation réelle de l'architecture en matière générale. Donc des bâtiments sans des gens pendant plusieurs années, et ben c'est la passion de Tim, de Glockland, que nous accueillons aujourd'hui. Et c'est un plaisir et un honneur. Bonjour Tim. Bonsoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut t'appeler Glock? Monsieur Lang. Ou Monsieur Lang. G-Lock. Tim. G-Lock. Et avec nous, bien sûr, Chéri Crime, inégalable. Bonsoir. Et nous avons également Demoiselle d'Horreur. Bonsoir. Que vous Bonsoir. Connaissez, car elle est beaucoup d'horreur. C'est notre invité qui n'est jamais parti, Demoiselle d'Horreur. C'est ça. C'est vrai. On la squatteuse en chef. Alors, bonjour également Sandrine Deloffre qui dit bonjour Tim, quelle découverte. Tu disais? Non, je parlais avec. Ah voilà. On avait d'autres conversations. Oui, mais faites, je vous en prie. Je voudrais pas non plus vous. Ça aurait été dommage. Oui, Sandrine Deloffre qui vient seulement de suivre les nouilles sur Instagram. J'ai vu. Je veux pas cette balancer, honte. Mais. La honte. Je vous rappelle que si vous ne suivez pas les nouilles sur Instagram, vous ratez quelque chose. Par exemple, vous avez été très fort pour nous faire un bingo. On vous a demandé, faites-nous un bingo de l'émission. Vous avez été très fortiche, très fort et très forte. Donc vraiment, merci à vous. On l'a refait, enfin, Chéri Crime l'a refait pour le publier sur Instagram. Donc allez sur Instagram, les nouilles rampantes, abonnez-vous si ça ne s'est pas déjà fait. Et puis bah, vous allez pouvoir un petit bingo, des cases à cocher, je crois. Surtout que. Surtout qu'on est presque à 4000 si jamais vous alliez. Donc voilà, faites-le par pitié. Faites péter les 4000 ce soir. Donc c'est le moment où je vous demande comment est le son. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout va bien de votre côté? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que vous avez passé un bon mois de février? Juste, pardon, un petit point. Ah, Sid qui n'avait pas suivi aussi. Oh, et qui va nous follow maintenant. Sid. Merci. Wow. Suivez Sid également par la même occasion. Juste avant de faire un petit point, enfin, juste avant de faire deux, trois remerciements qui s'imposent,
Petit point, les nouilles du cul. La dernière fois, on vous avait promis les nouilles du cul pour la Saint-Valentin, mais on a eu... On avait menti. Bah, déjà. Merci Captain Over et Major Undead hein, pour les subs, évidemment. Ça, plus de subs égale plus d'émissions avec Chéri Crime en plateau. Donc, oui, les nouilles du cul, ça sera pour plus tard. Grosse galère d'emploi du temps. On a bossé, quoi. Tous et toutes être là, surtout. Voilà, et qu'on ne veut pas louper ça. Et du coup, il faut qu'on s'organise. On voulait qu'il y ait Clara, on voulait qu'il y ait Julie. Et Clara qu'on embrasse, Julie qu'on embrasse, Julie qui sera là à la prochaine. On peut vous le dire d'ores et déjà. Et puis voilà, ça sera pour l'année prochaine. Vous êtes beaux, c'est vrai. On a trois personnes enrhumées autour de la table, donc on va beaucoup tousser dans les micros ce soir. Ouais. Ce qui me paraît tout à fait raisonnable. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous aviez de quoi de mieux à faire un soir de Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous faisiez, vous, le soir de la Saint-Valentin? Moi, je crois. Tu fais de la lessive, sans mentir. Je crois que j'ai regardé. Je crois que je vais mettre une série. Moi, comme un gros ringard, j'ai emmené ma femme au restaurant. Bah, c'est super, c'est quoi? Hein? Quoi comme resto? Il s'appelle Papillon, rue Mouffetard. Ah, c'est quand même assez chic. Ouais, c'était un peu chic. Ouais. Mais elle est américaine et c'est assez important pour elle, Saint-Valentin. C'est un truc américain. C'est un petit prétexte. Okay. Et donc, moi, j'ai fait nourriture, ok. Très bien. Tim, pour la Saint-Valentin Moi, je me cassais le dos sur une aquarelle en 3 heures. Et ben voilà, voilà une belle activité. Restez créatif même dans les moments d'adversité. Donc, les nouilles du cul, ça sera pour plus tard quand on sera tous réunis, tous les 6, et ça sera un bonheur, évidemment. Mais là, aujourd'hui, on reste sur une formule très standard. Juste avant de commencer, je voudrais faire quelques remerciements à Space Kairou, qui est là. Vous connaissez Space Kairou sur Twitch, il fait de la guitare, hein, il parle d'astronomie et tout. Et en fait, j'ai pleuré sur ses bras, je lui ai fait, est-ce que tu peux m'aider à faire une installation, à vérifier que mes réglages soient bons? Et il a tout fait. Donc, normalement, là, en matière d'image et de lumière, vous avez vu, on a un petit peu step up. Des remerciements également à Crani Ballet, la nymphe des bois et Marine qui ont fait du soutien moral, et on vous mettra tous les liens évidemment de Bonne Aloi dans la description. Abonnez-vous évidemment. Bonjour à tout le monde. Boulet, qu'est-ce qui nous attend ce soir? D'habitude il y a des thèmes qui se dégagent, et si ce n'est là finalement un peu d'urbex, mais en majorité dû à notre invité, j'ai l'impression qu'on a pas mal de variété, d'éclectisme ce soir. On a de l'exploration urbaine, donc. On a des messieurs qui font peur. On a du mobilier hanté. On a de la vaisselle qui bouge. On a plein de choses. Parfait. Parfait. Est-ce que tout le monde est bien arrivé? Tout le monde est bien installé? Merci Prudita, bienvenue à toi également. Chien fantôme, Marine, laquelle? Marine.erquette sur Instagram, bien sûr. Ça sent la grosse régalade niveau thème. Insérer la blague des inconnus sur l'éclectisme, c'est les chats. Tout ça pour éviter le bingo. Marpouille, tu n'as pas idée à quel point tu touches une corde sensible. Alors voilà, malheureusement, je ne sais plus. C'est quoi la politique sur les intros pour les poèmes? On fait intro ou pas? On n'a pas d'intro pour les comptines. La comptine, c'est une sorte de méta-intro tout l'épisode. Tu vois. Très bien. C'est vrai. Donc, un petit don quand même, pour plaisir. Un petit don. Il n'y a pas de titre. Mais il n'y a pas incertitude, on met pas de titre, mais juste ça va faire un petit, petit glage d'ambiance. Allez. Vous le sentez dans le noir, au bout du couloir, au fond du placard. L'œil jaune du monstre qui vous épie, l'œil jaune du monstre dans la nuit. Vieux comme la terre et le ciel, il chassait autant des dinosaures et il chassait hier soir encore. Il est le prédateur originel. Un jour, le monstre a vu naître une lueur brandie par de curieux primates, allant se tenant sur deux pattes, qui ne semblaient pas en craindre la chaleur, et les singes n'ont plus redouté la nuit. Protégés par la flamme domestique, ils ont bâti leur cité mécanique, qui partout vibrait de fureur et de bruit. Et le monstre regarde incrédule le monde pourrir, sécher, brûler, les arbres éternels ployés et fanés face à ces êtres minuscules, les forêts dévorées par leurs mâchoires de fer, le ciel de gris de la fumée de leurs bolides, le sol drainé du moindre de ces fluides, leurs déchets tapissant jusqu'au fond des mers. Les singes ont des ailes artificielles fendant les cieux jusqu'à la lune, imprimant leurs pattes sur ces dunes, explosant parfois en pluie d'étincelles. Et ils hurlent, et ils détruisent ce qu'ils bâtissent, et ils se battent en tempête de flammes et d'acier. Leur corps se déchire et s'empile en charniers, et recouvre le monde de cicatrices. Et dans la nuit, vibrante de lumière morte,
bien à l'abri dans nos villes, derrière nos portes. Nous racontons encore l'histoire du monstre dans le placard, celui qui vit sous le lit ou au fond du couloir. Nous redoutons ses crocs, ses griffes acérées comme des rasoirs. Mais les yeux jaunes du monstre ont vu de quoi nous sommes capables. Et plus jamais, il ne s'aventure chez les primates redoutables. Nous sommes la raison pour laquelle les monstres se cachent dans le noir. L'outro a été un peu sèche, je dois le reconnaître. L'outro a été un peu sèche, c'est un peu violent de ma part, je vous prie de m'excuser s'il vous plaît. C'était perturbant. Le dong, oui. Le dong est extraordinaire. Et en même temps, ça a créé un effet, ça a créé un effet qu'on n'avait jamais vu avant. Normalement, vous nous entendez beaucoup mieux. Avant. Merci pour vos retours également sur le son, on était un petit peu bas tout à l'heure. Très bien. Voilà, le don que faisait partie du poème, il est arrivé au moment où j'avais l'instruction coupon le son. Donc il a fermé le piano en fait. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, vous voyez. Sur mes doigts par contre. Super chouette la conclusion, bravo. Merci beaucoup, alors évidemment, témoignage, création, nous verrons ça plus tard. Attends, on va leur donner leur premier bingo. On voit tout ça dans le debunk. Allez. N'hésitez pas à le partager hein, au fur et à mesure aussi. On voit tous vos partages sur le compte des Nouilles Rampantes. C'est soit Chéri Crime, soit moi qui regardons. Bon, franchement, n'hésitez pas à prendre des photos. Ah oui, n'hésitez pas à partager en story aussi là, comment vous regardez. Est-ce que vous êtes avec des potes? Est-ce que vous êtes tout seul dans le noir et avec tout? Avec vos animaux. Montrez-nous vos animaux. Alors si vous avez un chat, un chien, n'importe quel animal. Sauf s'il y a plus de 4 pattes, c'est interdit. Mais en dessous de 4 pattes, c'est ok. Moins de 2 pattes aussi, c'est bizarre. En fait, ça veut dire que ça rampe. Ça veut dire que ça rampe en général. Les serpents, ça va. Moi, c'est les pattes qui me gênent. Ah, ok, autant pour moi. Après, s'il y a plein de serpents, ça grouille, c'est pas ok. Donc, voilà pour cette petite mise en bouche. Donc, je propose qu'on passe à la suite. Mais oui. On passe à la suite. Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. C'est moi qui suis pris de court. On est vraiment. On est trop à l'heure, j'ai pas l'habitude. Je suis perturbé aussi. Qu'est-ce qui nous arrive demain? Je sais pas. Qu'est-ce qu'est-on devenu? Bon, on va essayer de plaire. Quand on veut plaire à tout prix, on va travailler sur soi. On va rire à ses blagues, on va sourire à ses histoires. On va se faire plus grande, on va se faire moins gros. On va s'habiller mieux, on va se raser de près, on va pas dire des trucs trop sincères. On va cacher ses blessures et ses faiblesses. On va se faire lisse, facile à attraper. Pour plaire à tout prix, on va cacher ce que l'on est et tenter de faire aimer à l'autre tout ce que l'on n'est pas. Cette histoire s'intitule... Démonétisé. Je m'appelle Jérôme. Enfin, vous me connaissez sous le nom de Jess Style. Je suis influenceur, enfin, créateur de contenu. Enfin, un peu TikToker, un peu Instagrammeur, un peu YouTuber. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai aucun problème avec influenceur, ça me gêne pas. D'ailleurs, c'est même plutôt honnête, je trouve. Oui, je fais des vidéos lifestyle, je documente ma vie au jour le jour, et les marques me payent pour apparaître dans mes vidéos parce qu'elles veulent s'associer aux valeurs que j'incarne auprès de toute une démographie. Vous voyez, j'ai même intégré le jargon. Alors au début, je faisais des vlogs, des vidéos Fortnite sur YouTube, ça faisait 10-20 vues. Donc moi, ma mère, mon mec, et entre 7 et 17 haters à peu près. Après 2 ans à faire des vidéos dans le vide, j'ai fait un concept. Et ça a explosé. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Avant d'avoir le droit d'être influenceur, vous devez être un concept. Et si le concept plaît assez et que vous êtes bon, vous avez gagné le droit d'être influenceur. Les gens ne vous suivent plus pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Et mon concept, c'était de faire des chorégraphies en timelapse. En gros, je prenais je faisais des chorégraphies, et ces pauses-là, je les faisais pendant des heures d'affilée. Parfois de 9h à 21h sur le parvis d'une gare, j'accélérais tout ça et ça faisait genre je danse à vitesse normale pendant que le monde derrière va très très vite. J'appelle ça une hyperdance parce que ça utilisait le mode hyperlapse de mon téléphone. J'en sortais 2-3 par semaine sur des couchers de soleil, devant le Sacré-Cœur, à la Tour Eiffel, à Disneyland, pendant une tempête de neige et ça a cartonné. J'ai pu être monétisé très vite. En un mois, je suis passé de mec en galère à mec qui avait plus de problème d'argent. Il y avait l'argent de TikTok bien sûr, puis aussi les marques. On m'a payé très cher pour que je porte tel sweat, tel pull, ou que je sois devant telle enseigne à tel moment. Et comme il y avait beaucoup de questions juridiques, bah j'ai pris une agent. Elle s'appelle Manon, elle travaille avec beaucoup de nouveaux talents. Elle m'a suivi quand j'ai tapé les 500 000 abonnés sur TikTok et elle m'a beaucoup conseillé.
Et puis, de plus en plus, les gens ont voulu connaître les coulisses des vidéos. Donc, j'ai commencé à raconter ma vie, à montrer un peu les coulisses de ce que je faisais, les différents les best-of, les galères de tournage, bien sûr. Je m'y suis consacré à temps plein. J'étais déjà au chômage, et maintenant que Manon se chargeait d'organiser des choses pour moi, j'avais plus de temps libre que je pouvais mettre à profit pour créer du contenu. Les vidéos vlog, coulisses, coup de gueule marchaient vraiment bien, presque autant que mes hyperdenses. Et l'argent rentrait, et les annonceurs étaient contents, et Manon était contente, et mon mec était content, et moi j'étais très, très content. Et puis un jour, brutalement, mon oncle nous a quittés. J'étais pas particulièrement proche de lui, mais le reste de ma famille l'était. Alors je suis allé à l'enterrement. J'avais rien de prévu ce jour-là, et le soir, un peu épuisé par la journée, j'ai décidé de le raconter. Parce que c'était un beau moment, et que je sais qu'il y a des gens dans mes abonnés qui ont perdu des gens aussi. Alors, j'ai fait un TikTok. Je sais plus trop comment je le dis, mais dedans, je dis quelque chose comme « Hello la team, bon, faut que je vous dise, mon oncle est mort. » J'ai beaucoup parlé de ça, de la mort, de l'acceptation, de dépression, de l'enterrement, de l'urgence, de prendre du temps pour soi, de santé mentale, quoi. J'ai posté le TikTok à 21h, je suis retourné avec ma famille, j'ai surveillé les commentaires, bon, les gens étaient enthousiastes, la vidéo marchotait, quoi, mais voilà. Et je me suis réveillé à 10h45, le lendemain matin, 6 appels manqués de Manon. 8h20, 8h56, 9h13, 9h44, 10h09, 10h33. Waouh, ok, je la rappelle directement. À peine une sonnerie, elle décroche aussitôt. Ah, Jérôme, merci de me rappeler, je commençais vraiment à m'inquiéter. Tout va bien ? Ouais, je me réveille là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, avant toute chose, je veux que tu saches vraiment que je suis avec toi de tout cœur. Je sais ce que c'est que de perdre un proche, c'est une épreuve terrible. J'espère que ça va aller pour ta famille. Merci, ouais, ça va. Enfin, on s'y attendait, mais oui, c'est... Bravo pour ta vidéo, du coup, elle est super, vraiment, tu en parles vraiment bien, les commentaires sont tous très positifs, tu as une voix qui compte pour ta génération et ça se voit vraiment, Jérôme. Je te le dis pas assez, mais tu es très fort et tu vas aller très loin. Ok, merci. Je crois que je n'ai pas parlé de mon oncle, j'ai été bête en fait, elle vient de l'apprendre, elle voulait savoir comment j'allais. Est-ce que tu pourrais supprimer la vidéo ? Hein ? Je suis désolée, c'est un peu urgent, mais il faudrait que tu supprimes ta vidéo. C'est de ma faute, j'aurais dû te briefer, tu ne pensais pas à mal, mais il faudrait que tu la supprimes. Et pourquoi je ferais ça ? Les annonceurs te suivent pour un segment musique lifestyle avec des valeurs positives. En gros, tu es identifié par l'algorithme dans le range fun, optimistique, uplifting. Tu te rappelles les slides que je t'ai montrés ? Ouais, mais enfin. Ta vidéo, qui est une fois de plus très bien. Je n'ai vraiment rien à dire. D'ailleurs, je l'ai même montrée à mon neveu, donc vraiment encore bravo. Seulement, elle est plus orientée sur un segment deep, serious, pessimistique, ce qui ne matche pas avec les annonceurs qui vont se désengager et ce qui va te faire descendre dans l'algorithme. Donc, ça va desservir ta chaîne. Ok, ouais, sûrement, mais du coup, tu conseilles quoi ? Il faudrait que tu supprimes ta vidéo. Ouais, je vais pas faire ça, en fait. Pardon ? Je vais pas faire ça. T'as vu les commentaires, c'est une vidéo qui marche pas beaucoup, mais elle fait du bien à des gens, quoi. Puis surtout, elle me fait du bien à moi, donc non, en fait, désolé, mais on va la garder. Tu peux la refaire, si tu veux, on peut la réécrire ensemble, je peux te donner des conseils pour que... Non. En fait, je t'explique, les gens, ils me suivent pour mon authenticité. Si je refais la vidéo en l'édulcorant, je vais perdre mon essence. Et ça veut dire que je vais perdre des gens, tu le sais. Non, mais c'est pas ça. Non, mais arrête ! Là, je suis avec ma mère qui a perdu son frère. Donc aujourd'hui, je vais profiter de mes proches. Demain, je fais un vlog tournage. Ensuite, une hyperdense lundi et c'est terminé. Pense à l'algorithme, s'il te plaît. Plus tôt tu la supprimes, plus tu vas te faciliter la vie. Je te promets. Je sais que cette vidéo est importante pour toi, mais pense à l'avenir. Les annonceurs ne vont pas te faire de cadeaux. Non, mais... Ouais, c'est bon. Et ils m'en font. Hein. Je les reçois. Je les reçois dans ma boîte postale tous les jours, en fait. Réfléchis bien, Jérôme. Je dis ça pour toi. Ah, allez, c'est ça. Ouais, bonne journée. C'est pas la première fois qu'on avait ce genre de discussion. Ça fait partie du jeu. Elle est agent, je suis influenceur, on est ennemis, parfois. Et en vrai, je comprends ce qu'elle veut dire. Mais non. C'est mon contenu. C'est moi qui décide. Et j'ai le droit de parler de choses sérieuses. Alors, le lendemain, je refais un vlog. Et... Ouais, bon. Les stats tombent un peu. 220 000 vues. C'est très bien pour beaucoup de gens, mais c'est en dessous des 500 000 que je fais, quoi. Mais non, ça marche moins bien, c'est normal, ça arrive, l'algo c'est aléatoire. Ok, je rentre à Paris, et cette fois-ci, je pars en Espagne, direct après, pour faire une danse tout le long d'un match de foot. C'est payé par une entreprise de Paris en ligne, franchement, c'est sûr, ça va marcher. Aucune hyperdance fait moins de 2 millions de vues, ça va relancer la machine, 450 000 vues. Ouais, bon, ok, c'était pas la bonne actu, peut-être que les gens se lassent, en une semaine peut-être que mes chiffres sont divisés par 3. Bon, certains vlogs font moins de 100 000 vues. Et là, je commence à me faire paniquer. Et je vais voir Manon.
Est-ce que tu peux demander à tes contacts TikTok de pousser ce que je fais, s'il te plaît? J'ai l'impression qu'ils m'ont laissé tomber. Ils pourront rien faire, c'est l'algorithme. Tu ne m'as pas écouté, il faut vraiment que tu supprimes cette vidéo. Ça me fait mal de le dire, mais c'est ça qui marche. L'algorithme va voir ça comme un signe, ce qui devrait le calmer et tout devrait rentrer dans l'ordre. J'ouvre TikTok, la vidéo a fait 840 000 vues. Je lis tous les commentaires, tous ces gens à qui ça fait du bien, mais... Allez, ouais, ok. C'est juste une vidéo. Franchement, c'est pas grave, elle a fait sa vie. Tous les gens qui devaient la voir, là, c'est bon, ils l'ont vue. Ils l'ont oubliée en plus. Vous vous rappelez d'une vidéo que vous avez vue sur TikTok la veille, vous? Non, bon, bah là, ça fait 3 jours. Allez, on va pas en faire tout un monde, c'est bon, je la supprime. T'as un peu de temps? Je vais te passer des guidelines et des best practices pour que tu puisses aborder des sujets deep tout en restant dans ton scope positif, uplifting, et te remettre bien avec l'algorithme. Elle me parle de mettre des beeps avec des effets sonores rigolos, de pas dire mort, mais dire plutôt non vivant, de dire rien de sexuel, de surtout pas dire Israël ou Palestine, de remplacer tout ce qui est sexuel par un emoji moins de 18. Elle m'envoie un PowerPoint de 40 diapositives. Il vient directement de TikTok, alors j'applique ses consignes à la lettre. 2 semaines plus tard, mes vlogs remontent. 300 000 vues, 400 000 vues. Manon m'a envoyé un texto un jour. Merci pour tes efforts, on sent que l'algorithme est soulagé. Et puis un jour, j'ai été invité sur un live YouTube. Alors une émission un peu people, mais très suivie, animée par un ancien de la réalité qui s'est spécialisé en interview. Bref, une interview longue dans laquelle on a parlé de plein de choses, de mon parcours, de ce qui nous fait rire, de ce qui nous fait peur. On a parlé de la guerre, de la famille de mon père qui vient d'Égypte. Donc j'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé là-bas, j'étais très concerné, j'ai pu en parler facilement. On parle du Proche-Orient, on parle de sujets très philosophiques. Je sais pas si ça vole très haut. Je pense qu'on a dit beaucoup de conneries, mais c'est une belle interview publiée sur YouTube. 1h30 dans un salon, j'en suis en vrai assez heureux, j'ai pas souvent l'occasion de faire ça. Je la partage sur Instagram, juste sur Instagram. Et mes chiffres se sont effondrés quelques jours plus tard. Les vlogs sont passés de 700 000 vues à moins de 20 000 vues. Alors j'ai décidé de publier plus. Et plus j'ai publié, plus les chiffres sont tombés. Tombés et tombés. J'ai appelé Manon en panique. Tout va bien? Bah non, tout va pas bien. Dis-moi, franchement, je me suis fait shadowban là, non? Y'a plus personne qui voit mes vidéos. Laisse-moi regarder. Bah non, j'ai pas l'impression. J'ai suivi toutes tes guidelines. Et tout. Et là, j'ai plus aucune vue. J'ai quasiment pas gagné d'abonnés aujourd'hui. T'as y'a un truc là. Je vais appeler TikTok, je te tiens au courant. J'ai rien changé. J'ai continué à tourner avec le sourire. Je me suis même forcé à être encore plus uplifting et encore plus positive énergie. Manon ne m'a pas rappelé. Elle m'a envoyé un mail avec juste « Regarde » et que des liens TikTok. Je regarde sur le premier. Ce que Jess Style ferait si la France était en guerre. Jess Style versus la mort. Des comptes anonymes qui ont volé des extraits de l'interview. Et à la fin du mail, juste Manon qui dit « Je t'offre le petit déjeuner demain et on en parle. » Et j'ai pas dormi de la nuit. J'ai calculé, si mes chiffres s'effondrent à ce point... Je suis à 3 mois d'avoir mon chiffre d'affaires divisé par 10. Si je répercute ça sur mon salaire, je tombe sous le RSA. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a forcément une solution. Il y a une faille. Enfin, il y a bien des gens qui font l'algorithme avec qui on peut discuter, non? J'ai vu le jour se lever. Avant de partir, j'ai passé 1 heure sous la douche. J'ai pris mon plus fort café et je suis allé voir Manon. Elle est dans un café. Elle m'a pris des viennoiseries et un jus de fruits. Bref, elle sait. Ça va pas fort, hein? C'est trop forte, je suis... Vraiment, là, hyper, hyper content que tu sois mon agent, là. Écoute, moi non plus, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai passé la nuit sur ton cas, mais heureusement, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Enfin, d'abord une mauvaise. N'hésite pas, vraiment, commence par la bonne. Il faut d'abord que tu entendes la mauvaise. La mauvaise, c'est que l'algorithme ne va pas s'intéresser qu'à ta chaîne. Aujourd'hui, avec leur intelligence artificielle, il peut te détecter sur d'autres chaînes, d'autres sites. Donc si tu es fidèle à ta niche sur ton compte, mais que tu dévies ailleurs, tu seras sanctionné. Ouais. Enfin, je comprends toujours pas pourquoi, mais... Parce que les algorithmes sont là pour favoriser le temps de rétention et les annonceurs. Les annonceurs, ils aiment bien quand ta ligne édito est claire. Si elle est pas claire, ils vont pas venir te voir. Et si l'algorithme détecte quelque chose qui peut empêcher des annonceurs de mettre de l'argent sur leur plateforme, ils ne vont pas les mettre en avant. Or, si tu envoies des signaux qui troublent l'algorithme, tu vas être pénalisé. Pas juste sur ta chaîne, mais partout ailleurs. Ouais, mais donc c'est bon, y a pas de problème, c'est cool en fait. Juste, on supprime les vidéos, on fait supprimer les vidéos sur les autres chaînes, et je vais faire attention à ce que je vais dire à chaque fois que je suis filmé. Ça va, c'est pas non plus tout le temps, quoi. Non, tu comprends pas. Là, elle cherche ses mots. Tu es filmé en permanence. Écouté en permanence. Tu auras toujours des fans autour de toi qui te capteront à ton insu et tu ne pourras rien y faire. Ta ligne édito, c'est la positivité, le uplifting.
Si un jour tu rates un bus et que tu dis une insulte et que quelqu'un te filme et le publie, l'algorithme va le savoir, il va te reconnaître avec l'IA et il va te pénaliser. Eh bien, peut-être qu'il est temps que je change de ligne édito. Mais non, c'est trop tard pour ça. Ça fait 4 ans que l'algorithme te connaît. Pour reprendre de zéro, il faudrait que ça n'ait jamais existé. Très peu de gens peuvent se reconvertir aussi radicalement. Non mais d'accord, mais alors on fait quoi, quoi? Je reste enfermé chez moi tout le temps? J'arrête de vivre? En vrai, beaucoup d'influenceurs asiatiques ont des vies rigoureusement gérées et... Ouais, non mais c'est bon, c'est hors de question, bien sûr. On fera jamais ça. Alors, j'ai une solution. Et une semaine plus tard, j'étais sur le billard. Une société chinoise a créé un implant qui se glisse derrière l'hypophtalmalus. Un intermédiaire entre ce que tu veux dire et ce que tu vas dire. C'est paramétrable à partir d'une application. Ça permet de filtrer des mots. Personne ne pourra te surprendre à parler de mort ou de guerre. L'anesthésiste arrive, me prend le bras, me dit « Tout va comme vous voulez ?» L'idée est intacte, elle est juste « ad-friendly ». Elle est traduite dans une langue qui ne fait pas peur à l'algorithme. Des milliers d'influenceurs et influenceuses ont déjà ça en Chine. Ça commence tout juste à arriver en Occident. Je commence à compter à l'envers, à partir de 20, 19, 18, 17. L'opération ne coûte rien, elle est parfaitement réversible. Tu peux faire un test de 6 mois si tu veux. L'opération a duré à peine 1h30. On m'a dit qu'elle était indolore. Et vous savez quoi? C'est vrai? J'ai quasiment rien senti. Alors ça tire un peu au début, ça c'est vrai. Mais sinon j'ai complètement oublié l'existence de cette puce. Et en vrai, je vais pas vous mentir, ça fait un peu bizarre. Pas tout le temps. Mais vous pensez que vous allez dire guerre et la puce vous fait dire autre chose. Genre les muscles dans votre bouche vont faire un autre truc. Par exemple, ça va sortir le mot en G. Et du coup c'est un peu comme si vous aviez une sorte de bras mécanique quoi. Ou parfois juste ça vous fait rien dire, ça vous fait juste un petit silence discret, genre comme si vous parliez à l'intérieur de votre bouche mais il n'y a pas de son qui parle. Et ça marche. À partir de là, j'ai plus aucun problème. Manon a fait supprimer le live, elle est partie en chasse de tous les extraits, elle a contacté une entreprise privée qui fait ça très bien, et mes chiffres sont montés en flèche, ils sont montés. Tous mes vlogs ont dépassé le million de vues, j'ai 3 millions d'abonnés. C'était, franchement, on m'a dit que c'était un petit sacrifice, je vais vous le dire. C'était même pas un sacrifice. J'ai fait mon coming out sur internet, les gens l'ont hyper bien pris. Maintenant, je mets même mon mec dans les vidéos avec moi, il participe à mes challenges, il participe à mes vlogs, j'ai même fait une hyper danse avec lui. J'ai jamais été aussi heureux. Et la puce, j'en parle même pas. Les gens se feraient des idées. Ils me demandent tous, mais comment tu fais pour être aussi positif tout le temps? Et je réponds, bah c'est juste que je suis moi. Et en fait, c'est vrai. C'est juste, bah des fois, y a des choses que je dis différemment, quoi. Et ça se voit dans mon contenu. Et ça, c'est quand même cool. Un soir, on m'a invité à faire une émission en live, une fois de plus. J'y suis allé. Au début, franchement, j'avais un peu peur, mais tout s'est bien passé. Et j'ai reçu un message de Manon. « Ah, t'as été parfait, l'algo va adorer. » Bon, moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est de faire des choses chouettes avec des gens que j'aime bien. C'est important, les collaborations, on oublie. Et à la fin du live, j'ai salué tout le monde. J'ai commandé un taxi et je me suis dit « Allez, je descends. » Voilà, il y a des minutes passées, tout est très calme. Et je regarde sur mon téléphone. Le taxi arrive dans 10 minutes. Franchement, j'aurais même pu rester un peu plus. Et là, d'un coup, c'est le froid que je sens. Dans mon dos. Entre les omoplates. Et un murmure. Crève, sale. La personne retire son couteau. Et elle fuit. Et je ne sais même pas à quoi il ressemble. Et je tombe par terre. J'arrive plus à bouger. Le taxi va pas arriver à temps. Il y a des gens au bout de la rue. Il faut que je hurle, il faut qu'ils me voient. Alors de toutes mes forces, je commence à crier. J'ai été poignardé. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. À l'aide. Aidez-moi. J'ai besoin d'aide. Et je m'égosille et je hurle. Et rien ne sort. Pardon. Voilà, c'est bon, vous pouvez parler maintenant. Robot in shape. Alors, honnêtement, tu la prépares depuis combien de temps? Depuis 5 minutes, je suis comme ça. T'as quoi? J'ai buté sur ça.
Oh, Murray, t'étais pas incroyable. C'était trop bien. J'ai essayé de faire ma Clara, mais bon. Ça fait réfléchir. Elle a été trop gérée. Franchement, c'était trop bien. C'était l'enchaînement des mots d'enfer que t'as dû sortir. C'est le normal. Truc surtout qui m'a mise dedans. Là, je me suis dit, merde, celui-là, je l'ai pas servi quand même. Moi, ça m'a fait penser à The Good Place, tu sais, où ils sont au paradis, donc ils peuvent plus dire des gros mots quand ils essayent de dire fork. Motherforker. Très bien, merci beaucoup pour vos messages. Et oui, merci beaucoup. Enfin, franchement, tu dis que t'as buté, ça se voit pas du tout. T'as été incroyable, t'as été super. Vraiment, c'était génial à faire. Je sens que t'as canalisé ta Clara. Ma claritude, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, parce qu'en fait, à l'origine, connaissant très bien Clara, j'avais écrit cette histoire pour elle. Et il se trouve que j'ai appris avant-hier qu'elle n'était pas là. Donc, elle est partie au ciel. Dans un avion. Dans un avion. Elle est en Amérique. Elle est dans un endroit meilleur. Elle est dans un meilleur endroit. Los Angeles, voilà, au soleil. Los Angeles. Elle est avec les anges. Dans la cité des anges, oui. Adorable. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit le chat? Enfin, boulet, enfin. Les gens de France Inter ont été les premières victimes. Ça se ressent depuis quelques années. Ouais, ça dénonce. La dénonce frisienne, ça dénonce. Ça va, toi? Je sens qu'on est en train de te perdre. Je suis en train de décéder. Oui, bon, mais alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai une super voix de radio ce soir. C'est excellent. Pour la dernière fois. Est-ce qu'il serait pas par hasard? Ah, attends, il y a Sid Chryselis qui dit bonjour à tous. Avec le plus grand des hasards, j'ai écouté une rediff. Voilà la petite paille que j'ai, la notif du live en temps réel. Bienvenue. Il y a une deuxième Sid. Bienvenue. Alors, c'est Sid CID là. Ah, attention, oui, d'accord. Pas confondre. On avait déjà Sidonie, mais. Non, rien à voir. J'adore comment vous la aise des belles histoires de zinzin avant de rigoler comme si on n'était pas du tout en PLS. Alors le SH, ah, vous lâchez des belles, ok, d'accord, très bien, merci. La S, je l'avais pas non plus, j'ai une finesse de langage de jeune, vraiment, je l'ai plus, quoi. Tim donne un peu de théodin. Comment vous la S? Non, c'était pour pas tousser, effectivement, pendant l'histoire, j'ai demandé à Tim, il a apporté une petite tisane, mais qui est très bonne en plus. Une tisane. Oui, on se comprend. Ouais. On se comprend. Un grog. Faisons-lui une réputation d'alcoolique, tu sais. Il est notre invité, pourquoi pas lui directement détruire son image publique. Il a une flasque. Et regardez dans sa doublure, il a une flasque. Maintenant qu'on parle de lui, est-ce que par hasard il serait pas le temps d'enchaîner? Bah écoute, s'il peut poser sa bouteille dans un sac en papier, et on va pouvoir lui faire lire une histoire. Je tiens à vous rassurer qu'ici, j'ai refourgué du thé jasmin citron à tout le monde et il est absolument immonde. Sauf donc Tim qui a apporté sa propre tisane. Et sauf nous deux, puisque Judith a judicieusement acheté. Moi, j'en ai acheté une bonne. Voilà. Une bonne, hein? Ouais. Dans tisane, y a tisane, du nictef, c'est tout à fait vrai. Voilà. Tout est dit. Alors. J'ai vu une chaussure seule sur un trottoir. Pourquoi une chaussure seule se retrouve sur le trottoir? Les chaussures, ça se porte par deux, non? C'est pourtant toujours un soulier seul que l'on voit. Y a-t-il une conspiration d'unijambiste ou un phénomène cendrillon qui fait que les gens perdent une chaussure et se disent « Ah, tant pis !» et continuent à marcher? Ou alors les gens ruinent une chaussure et se disent « Bon, ben, je vais quand même garder l'autre au cas où !» Il y a un vrai mystère autour des chaussures abandonnées. Cette histoire s'intitule, Tim ? Les bottes rouges. Cette histoire se déroule en banlieue parisienne à la fin des années 80. À l'époque, j'ai presque 10 ans. C'est les vacances d'été. Mon frère est en colonie de vacances, tandis que moi je suis à la maison avec ma mère. Après avoir terminé le dernier jeu vidéo acheté avec mon argent de poche, et construit une tour en Lego de 2 mètres de haut, je m'ennuie un peu. Relire Tom Tom et Nana, je les connais par cœur. Comme il fait beau, ma mère me suggère d'aller prendre l'air au lieu de tourner en rond dans l'appartement. Je sors de chez moi et appelle l'ascenseur. Il s'agit d'un de ces vieux ascenseurs orange des années 70 et qui n'ont pas de porte intérieure. Après avoir appuyé sur le gros bouton en plastique RDC, je vois le mur de la paroi défiler. Il y a même une petite plaque sur laquelle on peut lire « Éloignez les enfants de la paroi lisse ». Par-dessus, quelqu'un a griffonné les derniers mots, ce qui donne « Éloignez les enfants de la police ». Ce mur qui monte indéfiniment m'hypnotise. Et je repense à la fois où mon petit frère avait fait tomber son ballon plastique dans cet ascenseur, qui s'était alors coincé dans l'espace entre l'ascenseur et la paroi, bloquant le mécanisme. Il était alors resté bloqué une heure comme ça, à attendre à l'intérieur, en attendant d'être libéré par le réparateur.
Arrivé au rez-de-chaussée, ne sachant pas trop où aller, je me dirige instinctivement vers mon école. Elle est située à 2 minutes de chez moi, au milieu d'une zone résidentielle. Comme c'est les vacances, tout est silencieux. On entend juste le bruit des tondeuses à gazon dans le parc en face, et le ronronnement lointain de l'autoroute qui ne s'arrête jamais. Un bruit de fond qui a bercé mon enfance et qui est devenu réconfortant. J'arrive devant l'école. C'est curieux de voir la cour complètement vide. J'ai hâte de retrouver mes camarades à la rentrée. Je continue ma promenade et arrive dans cette rue silencieuse que nous avons l'habitude d'emprunter pour aller au stade. Je n'ai jamais vu de voiture garée dans cette rue, que j'ai toujours connue déserte. Aujourd'hui, elle est encore plus silencieuse que d'habitude. Je continue d'avancer et me retrouve devant ce vieux mur décomposé, de ce vieux mur composé de vieilles pierres et méchamment bombées. À certains endroits, du ciment a été appliqué pour éviter qu'il ne s'écroule. Sur une de ces zones cimentées, il y a un tag. Un sexe masculin. Un pénis tout simple, le nez baissé, regardant tristement le trottoir. Détail glauque, une goutte de sang coule de cette triste nouille. C'est ici que nous nous retrouvons pour aller jouer au foot avec Sylvain, Hicham et Grégory. Tous les enfants du quartier appellent ça le zizi qui saigne. Derrière ce vieux mur qui n'attend qu'un coup de vent pour tomber, il y a une vieille grange et une bicoque à côté. Comment est-ce que je sais ce qu'il y a derrière le mur? C'est simple, un endroit il est effondré. Sûrement une voiture qui rentrait dedans. Nous ne savons pas vraiment. En tout cas, personne n'a jugé bon de réparer le mur. Quand nous passons devant la partie effondrée, nous jetons toujours un petit coup d'œil intrigué à ce lieu abandonné que les hautes herbes ont envahi. Un lieu que nous n'avons jamais visité. Trop occupé à choisir qui sera Mark Landers et qui sera Olivier Hatton. Mais aujourd'hui, je m'en y ferme. Et si c'était le bon jour pour aller explorer ce qui se cache derrière le zizi qui saigne? Et comme le dit la chanson du dessin animé Clémentine, tant pis si c'est dangereux. Sans m'en rendre compte, j'ai fait 3 pas. Enjambé les débris du mur effondré, et me voilà sur le terrain. 3 pas, et je suis dans un autre monde. Me voilà devenu un explorateur, un défricheur de l'inconnu. J'avance lentement, je me fraye un chemin entre les chardons, les orties. J'esquive de vieilles planches pourries aux clous rouillés, des sacs plastiques remplis de je ne sais quoi, de vieux cartons en vrac, et plus loin je tombe sur un vieux four, que je ne peux m'empêcher d'ouvrir pour voir s'il n'y a pas un gâteau pourri dedans. Quelques bidons rouillés terminent notre tableau. J'ai l'impression d'être dans le terrain vague des enfants de la série Tel Bonjour d'Albert, et quelque part ça me rassure, c'est comme si j'étais dans un dessin animé de cette série, donc il ne peut rien m'arriver de grave. Me voilà face à la grange. C'est une sorte de gros auvent dont les poutres en bois sont rongées par les mites. J'y entre prudemment. Le toit de tôle rouillée laisse filtrer quelques rayons de lumière par les multiples trous de corrosion constellant la toiture. Levant la tête, avec ce soleil au zénith, on croirait voir un ciel étoilé en plein jour. On dirait un vieil atelier, peut-être un ancien garage. Ça expliquerait les dizaines de pneus, tous ces vieux tuyaux, ces outils rouillés un peu partout, marteaux, scies, boîtes de clous, bidons d'huile, tenailles, cordes. Par moments, le vent fait légèrement grincer la structure. L'espace d'un instant, on se croirait sur un bateau. Ma curiosité me pousse à quitter la grange pour me diriger vers la petite bicoque située juste à côté. En m'y approchant, je remarque une paire de bottes rouges posées contre le mur. De grandes bottes en caoutchouc pour adultes. Leur couleur chatoyante contraste avec tout cet environnement tout en teinte rouille, boue et cacadois. Une fois devant, finalement, ce n'est qu'une petite remise, qui n'a tellement pas l'air intéressante à explorer que je reste sur le pas de la porte. À peine le temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur, et on en a fait le tour. À gauche, un carton rempli de vieux journaux. Au milieu, une chaise toute seule. Et devant, une fenêtre barrée de planches qui empêche la lumière de rentrer. Si la grange sentait la vieille huile de vidange, ici, l'intérieur de la remise sent le moisi, ce qui ne m'incite pas à rester là davantage. Tournant les talons, j'analyse le reste du terrain et constate qu'il n'y a plus rien à découvrir sur place. Exploration terminée, retour à la base. Je reviens alors vers le mur effondré par où je suis entré quelques minutes plus tôt. Mais à peine ai-je commencé à enjamber le tas de débris que mon instinct me fait regarder en arrière. Pour une raison que je ne m'explique pas, mon regard se dirige vers l'endroit où j'avais vu la grande paire de bottes rouges. Elles ne sont plus là. Je reste figé. Mon cerveau n'arrive pas à interpréter cette absence. Entre le moment où j'ai quitté la bicoque pour rejoindre le mur, il s'est passé quoi ? 10 secondes ? Durant ce court instant, les boîtes ont disparu.
bien qu'il fasse chaud, je suis traversé d'un frisson. Mais la curiosité est la plus forte. Je me dirige vers l'endroit où les bottes étaient posées à peine une minute auparavant. Rien. Je regarde de nouveau à la remise. Si ça se trouve, elles sont dedans depuis le début, et c'est moi qui débloque. Je regarde à nouveau l'emplacement où je les avais vues. Je vois que l'herbe est un peu tassée. Elles étaient donc bien là. Mais qui les a prises? Apparemment, il n'y a personne ici. Je reviens vers la bicoque à pas de loup. Je passe ma tête dans l'encadrement de la porte, et j'aperçois avec stupeur un type de dos, assis sur la chaise, face à la fenêtre barrée de planches. Sa chevelure est hirsute et ses vêtements sont sales. On dirait qu'il ne m'a pas entendu. Apeuré, je m'apprête à m'en aller discrètement quand le type pivote légèrement sur sa gauche. Je réalise alors qu'il a les bottes rouges dans ses mains. Enfin non, c'est différent. Il a enfilé les bottes sur ses mains, comme des gants. Elles couvrent ses mains et ses avant-bras. Je n'ose pas bouger, tétanisé par cette vision que je ne comprends pas. Que fait un type dans un endroit abandonné avec des bottes enfilées sur les avant-bras, face à une fenêtre sans vue? Soudainement, il se retourne. Il m'a vu. Je suis incapable de bouger. Son visage bouffi me fixe 2 ou 3 secondes, puis sa bouche à laquelle il manque quelques dents esquisse un sourire avant de me prononcer une phrase. « Tu veux ou tu veux pas ?» Je détale alors comme un lièvre vers le mur effondré, pose une main sur une des pierres, lance mes jambes par-dessus le tas de débris, puis fuis en courant à toute vitesse chez moi, jusqu'à chez moi sans me retourner. On veut pas. Ouais. On veut pas du tout. On veut appeler la police. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on veut. Très bien raconté. Merci. C'était beaucoup, Tim. Absolument trop, trop bien. Ouais, très, très bien. Merci beaucoup. Les moves bizarres. Alors, genre, bon, moi, par contre. Autant dire que Triste Nouille, Zizi et voilà, Kaka, ça, j'ai incroyable. Beaucoup de succès. Beaucoup de succès pour Triste Nouille. Ah, Triste Nouille, incroyable. Un banger. Ça va remplacer les nouilles chialantes, du coup. Ouais, c'est peut-être ça. C'est vrai que à la place des nouilles de la chiale, la triste ouais. nouille. Oui, triste nouille un jour. Ouais. C'est peut-être quelque chose qu'on peut vous. Si jamais ça peut vous arriver, vous tombez sur un coup qui est peut-être pas ouf. Vous êtes avec quelqu'un, vous découvrez. Et c'est décevant, et en plus de ça, la personne n'est pas cool. Triste Nouille, excellent surnom. Levez la main si vous avez connu des Tristes Nouilles. Ne dites plus, ce n'est pas. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive, je ne comprends pas. Dites, la nouille est triste ce soir. La nouille est triste. Bien, également le zizi qui saigne, moi c'est fantastique. Normalement, il faut aller chez le médecin, mais ça m'a fait marrer. Donc, bien. Merci beaucoup, Tim. Alors, on verra un peu, est-ce que histoire vraie ou pas, parce que bon, l'urbex, c'est quoi le premier endroit abandonné que t'as exploré comme ça avant de tomber dedans? C'était celui-là. Ah bon, bah allez, ouais. C'était le premier. Alors, on va peut-être un peu spoiler un truc, je pense. Du coup, On en reparlera tout à l'heure. Merci pour vos compliments sur la tasse, évidemment, qui est une très belle tasse. Et puis... Celle-là, je l'aime. Ah oui, la tasse Keyboard Cat extraordinaire. Je l'aime si fort. Bien sûr. Très bien. Tasse même. Et non, Cora, déjà, bonjour Cora Dude, et ensuite, pas du tout, les nouilles bordées de cul seront prochainement. Quand on sera tous les 6, l'équipe du cœur. Bien. Qui vont être probablement aussi les nouilles cringe, hein, je pense. Non. Ah oui, c'est sûr. Bon, on va se jeter des coups d'œil, c'est après avoir raconté les histoires. Thomas, s'il y a quelqu'un qui doit faire des voix. Vous voulez vraiment qu'on la fasse en présentiel? Parce que chez nous, ce sera quand même vachement plus simple. Si, si. Je me vois pas techniquement dire des trucs cochons. Oh, non, non. Encadré de vous. Qui faisons des voix dans les histoires des autres, tu sais. C'est là que l'accent bourguignon aura toute sa place. Ah oui. Une prochaine histoire pour une prochaine fois. En tout cas, ouais, Dieu, il y a un ectoplasme dans mon lit. De mon côté, on a 48 minutes pour en arriver. Il y a du slime partout. On a failli friser le drame parce que du coup, moi, je n'ai réalisé qu'il y a quelques jours que c'était pas du coup les nouilles du cul cette édition. Et vraiment, heureusement que je vous ai demandé confirmation parce que j'étais partie. Elle était partie pour vous faire tous rougir. Heureusement que voilà. Ah, alors, question, vous êtes quand même beaucoup à poser la question. La Adri Comique, question technique, Thomas Couette, pas de trigger warning en début de chaque histoire. C'est alors, il y a. C'est un peu. À la sensibilité de chacun. Alors évidemment, les sujets abordés, on les évoque. Et par contre, dans pas longtemps, je crois que c'est pas la prochaine d'ailleurs. Ouais. Va falloir qu'on en parle. Il y a pas de trigger warning officiel en mode TW2.
Parce que, enfin, pour plein de raisons. Et la première, c'est que en fait, c'est quelque chose de très rigoureux comme système, et on est un peu à côté. Et nous, on préfère, enfin, en tout cas, chacun sa sensibilité. Si des gens d'entre vous veulent dire trigger warning, machin, bien sûr, chacun fait comme il le veut. Moi, je préfère vous dire quand il y a une histoire qui est vraiment sensible. Attention, le thème, ça va être plutôt ça. Ça va être plutôt ça. Si vous êtes sensible à ça, ça, donc c'est globalement comme un trigger warning, c'est pas la formulation. Content warning. Ouais, content warning et tout. En gros, y a pas de, ne vous attendez pas à un trigger warning à chaque fois. Des fois, on vous dira, attention, ça va parler de tel sujet. On dira pas trigger warning de point. On dira, bah voilà, là, il y a une histoire qui a parlé d'un truc un peu... Donc, c'est après, encore une fois, chaque personne qui raconte une histoire a son indépendance. Donc, il n'y a pas de règle. Mais on essaye de faire quand même attention. Mais on a quand même, voilà, on a quand même un curseur où on est... Bon, on raconte des histoires d'horreur, donc évidemment, ça va parler un petit peu de mort, il va y avoir des trucs sanglants, il va y avoir des fantômes, il va y avoir des zizi qui saignent. Oui. On peut pas, tu vois, on peut pas mettre un trigger warning pour tout. Il y avait quelqu'un qui m'avait écrit un jour en disant « J'aime pas les chiens, vous auriez pu mettre un trigger warning chien ». J'étais là, je suis désolé, non, on va pas mettre des trigger warning chiens. Ouais, surtout que certains trigger warning spoilent franchement l'histoire, donc du coup, quand il y a des thèmes très dark, mais comme le suicide, tout ça, on le dit. C'est quand sinon, je pense que c'est vraiment quand c'est des thèmes, comme c'est des thèmes comme le suicide, la mort d'animaux, ce genre de trucs, on prévient avant parce que. On se dit là, oui, il y a des thèmes vraiment très sensibles. Ouais, et qui peuvent réveiller des choses. On rappelle que le trigger warning aussi, moi de ce que j'ai vu, encore une fois, je suis pas expert sur la question, mais de ce que j'avais lu, il y avait aussi ce truc de ça réveille des. C'est beaucoup des PTSD. C'est un thème qui est très très médical. Et être trigger, c'est pas juste ne pas aimer quelque chose ou être choqué par quelque chose, c'est vraiment être dans une situation paralysante. Et oui, c'est ça quoi. Donc encore une fois, c'est pas le cadre ici pour en parler en longueur et tout. On en parle beaucoup entre nous déjà. Mais voilà. Petite parenthèse pour répondre à la question. Maintenant que ça s'est répondu. Est-ce que je peux faire une parenthèse après la parenthèse? Bien sûr. Il y a quelqu'un qui a dit les zizi qui saignent, c'est sanglant. J'ai failli la faire. C'est extraordinaire. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Bravo. C'est et maintenant pas. Une question de Madame Bonpied de Bonneuil. Ah mais c'est pas. Il a piqué la blague à Chantal. Bon, allez. Un autre drama pour une prochaine fois. Et heureusement. Ceci était une imitation, ce serait pas dans le. Ah, ça y est, merde, oui, vérifier sur Instagram, je ne peux rien dire. Il y a prouver. Des imitations dans le. Non, on ne peut rien dire. Heureusement qu'on va partir sur un registre un peu plus. Merde, j'étais en train de manger. Voilà, on va repartir sur un registre un petit peu plus. Un peu plus léger. Voilà, un registre un peu plus tranquille, peut-être. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était une. Et bah pas du tout. Pas du tout. C'était une fausse piste. Exactement. Là, pour le coup, il y a peut-être moyen de faire. Là, on peut peut-être. Voilà, il y a peut-être un petit avertissement pour le coup parce que c'est un peu vénère. Pour la prochaine histoire, il y a un petit avertissement sur la mention de mort d'animaux. Mignon. On va parler du chat. Le chat est sur le radiateur et regarde un pigeon de l'autre côté de la fenêtre. Le pigeon ne l'a pas vu. Il s'en fout. Il vit sa vie de pigeon, dans sa cervelle de pigeon, il y a quatre jauges, manger, chier, baiser, fuir, aucune d'elles est en alerte. Le chat bondit, griffe dehors et se rétame contre la vitre. Le pigeon a vaguement entendu un truc, et elle tourne la tête étonnée, mais reprend la contemplation pigeonnesque d'un monde qu'il comprend à peine. C'est peut-être ça le frisson glacial qu'on ressent parfois chez soi ou dans la rue. Peut-être que quelque chose vient de se rétamer sur l'équivalent cosmique d'une vitre qu'il n'avait pas vue, et que tout près de là, invisible, la chose hurle tandis que nous poursuivons notre chemin. Et cette histoire s'intitule... Le vampire et les chatons. Durant mon adolescence, ma famille et moi avons vécu un temps dans cette maison du fin fond du Loir-et-Cher, qui n'avait rien de bien reluisant mais dont nous avions su nous faire un foyer bien à nous. Quelques murs rafistolés avec les moyens du bord, quelques papiers peints défraîchis, des travaux que mes parents se promettaient chaque année de faire, mais qui ne seraient jamais faits. Mais le véritable charme de notre chaumière de petite ville de province venait de l'extérieur. Car pour ma part, j'avais fait des chats du quartier mes amis. Ils étaient nombreux, certains sauvages, certains affectueux, et tous essayant de se soustraire à la vigilance des voisins qui voulaient éviter de les voir prospérer. Ma préférée de cette petite population féline, c'était Daisy, une chatte noire et blanche qui appartenait à l'homme qui vivait dans la maison d'à côté. Elle passait le plus clair de son temps dans notre petit jardin, sur lequel donnait une fenêtre de la maison de son maître. Son maître, parlons-en. Il était essentiellement connu dans le quartier sous son prénom, Georges.
Un prénom qui, petit à petit, avait fini par me donner de mauvais frissons à chaque fois que je l'entendais. Et pour cause, Georges avait quelque chose de bizarre dans le regard. Oh, ne vous y méprenez pas, à chaque fois qu'il me croisait dans la rue, dans notre rue ou au bord de la rivière du centre-ville, il se montrait très gentil. Mais un peu trop. Il avait toujours ce petit sourire un peu trop insistant et cet œil qui allait de bas en haut quand il me disait bonjour. Malgré sa silhouette de petit bonhomme vieillissant, je le voyais comme une sorte d'infâme vampire qui cachait bien son jeu. Je ne savais pas exactement quel jeu, mais je savais que je ne voulais pas le savoir. Et à chaque fois que j'allais jouer dans le jardin, je ne pouvais m'empêcher de m'imaginer que, si ça se trouve, il m'observait de son regard mielleux à travers le rideau de sa fenêtre. Si j'avais pu, j'aurais adopté Daisy. D'aucuns auraient pu penser que George méritait bien un animal de compagnie pour tromper sa solitude, et si ça se trouve, Daisy était tout ce qu'il avait au monde. Pourtant, je n'arrivais pas à voir les choses de cette manière. Pour moi, elle était la prisonnière enfermée dans le donjon du vampire, et ses escapades dans notre jardin étaient sa plus grande joie. Y avait-il quelque chose de vrai là-dedans, ou ne voyais-je que ce que je voulais voir ? Peut-être que la vérité se trouvait entre les deux. Mais un jour, Daisy décida d'établir domicile sous l'un de nos arbustes pour plus longtemps que prévu. En effet, elle était tombée enceinte et s'était fabriqué un petit nid où mettre bas, à portée de mes bons soins. Trop heureuse de la perspective de voir bientôt les chatons naître, je passais voir Daisy sous son abri chaque matin avant de partir au collège et plusieurs fois par soir. Quelque part au milieu de ces moments de quiétude et de confiance échangés entre Daisy et moi, j'ai fini par en oublier la fenêtre. La fenêtre de Georges qui donnait sur notre jardin. Si bien que le jour où les chatons naquirent enfin, débordée de joie que j'étais, je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il se passa quand l'immonde voisin vint frapper à notre porte. Mes parents essayèrent tant bien que mal de m'expliquer qu'il avait tous les droits sur les chatons et qu'il venait les récupérer. Ils ne me cachèrent pas, notamment, que pour ne pas s'attirer les foudres des habitants du quartier qui ne voulaient plus souffrir de chats errants, Georges allait tuer les chatons. Devant ma rage et mes pleurs, il feignit la tristesse en les prenant un à un dans ses bras, devant une Daisy aussi impuissante que moi. Il les emmena dans ce qui me sembla être la direction de la rivière et je ne les revis plus jamais. Mais Georges, lui, je le revis encore de nombreuses fois, avant que nous partions enfin de cette maison que je ne pouvais plus aimer. Il osait encore me sourire et plonger ses yeux gluants dans les miens à chaque fois qu'il me croisait dans la rue, presque comme pour me défier de briser la politesse élémentaire qui me contraignait à répondre froidement à son bonjour. Chaque jour, chaque fois était pour moi l'occasion de m'imaginer de nouvelles façons de le voir mourir dans d'atroces souffrances. Je ne savais pas comment il s'y était pris avec les chatons. Enfin, pas vraiment, mais tout ce qui m'importait était qu'il souffre au moins autant. Mais un jour, donc, notre famille déménagea, et nous ne revîmes plus jamais Georges. Pourtant, le souvenir glaçant de ce vampire ordinaire continua de me poursuivre encore longtemps, tout comme celui des petits chats que je n'avais pas su sauver. Jusqu'au jour où, des années plus tard, je revins par hasard dans cette petite ville. De passage en voiture dans les environs, j'avais soudain eu envie de faire un crochet pour me lancer dans une chasse aux souvenirs improvisée. À côté de notre maison, encore un peu plus défraîchie que quand nous l'avions quittée, il y avait celle de Georges. Petite, et tous les volets fermés, qui n'avaient d'ailleurs jamais été ouverts lorsque nous vivions ici. Enfin, sauf les volets de la fenêtre de derrière, celle qui donnait sur notre jardin, bien sûr. Cela n'était jamais fermé. Voir sa maison collée à la nôtre me provoqua un frisson comme j'en ressentais à l'époque où je le croisais dans la rue. D'ailleurs, risquais-je de le croiser ce jour-là ? Une ancienne voisine me dit au détour d'une conversation que ce ne serait sûrement pas le cas, car Georges avait disparu depuis quelques semaines. De la famille lointaine avait fini par s'inquiéter et par signaler sa disparition. Je continuais ma promenade nostalgique en me demandant ce qui avait pu arriver au vieil homme. Impossible de trouver de l'empathie au fond de moi alors que dans ces mêmes circonstances, j'avais le sentiment de sentir le regard de Georges collé dans ma nuque. Était-il caché à un coin de rue, prêt à me brandir des cadavres de chatons sous le nez ? Cette vision était stupide, pourtant elle m'obsédait. Je marchais jusqu'à rejoindre, presque machinalement, le petit parc du centre-ville. J'y longeais la rivière comme au bon vieux temps, pour essayer de chasser les mauvaises pensées et retrouver quelques souvenirs agréables. Mais alors que mes yeux se perdaient dans les reflets vaseux, je repensais aux petits chatons. Et s'ils avaient vraiment fini ici, quelque part au fond de cette eau ? Je m'arrêtais et fixais mon regard sur l'onde, en m'attendant presque à voir des petits spectres à fourrure m'adresser un mot depuis l'au-delà, au travers du miroir des vaguelettes. J'attendais encore quelque chose, toujours planté au même endroit, lorsque le jour commença à descendre doucement. Le reflet du soleil sur la rivière s'atténua, et les algues au fond du lit devinrent plus visibles.
C'est à ce moment que mes yeux croisèrent une nouvelle fois, comme je l'avais tant redouté dans ma vie, le regard de Georges. Son regard visqueux, ses yeux moites et jaunâtres que je détestais tant. Les globes horribles me fixaient du fond de la rivière et un énième frisson secoua ma colonne. Ce serait le dernier que Georges me causerait. Au moment où la police arriva pour repêcher son corps gonflé et violacé, presque ligoté par les algues, les passants s'exclamèrent autour de moi. Ce bon vieux Georges s'était-il suicidé? Avait-il fait une mauvaise chute après quelques verres de trop? Les hypothèses fusèrent, mais personne ne comprit comme moi l'évidence d'une rivière qui avait été un jour nourrie de chatons et qui avait fini par rappeler leur bourreau à sa propre justice, enfonçant dans le cœur du vampire le pieu de la vengeance longuement mûri. Et moi, j'ai pu repartir ce soir-là sans plus jamais sentir mon cou être caressé par l'œil malveillant de Georges. Ah pardon. Vraiment, j'avais de la sympathie pour toi, je te sentais en train d'étouffer. Oui. Moi aussi, j'étais comme ça. On attend le don. Tu sais, de temps en temps, on va te faire un signe pour avoir un don, pour pouvoir tousser comme des petits malheureux. Je pense qu'on peut résumer cette histoire en chier. Ah oui, ouais. D'ailleurs, il y en a dans le... Dans le chat, tout le monde attendait que Georges crève. Ah ouais. Oui, c'est très, très cathartique. J'étais là, est-ce qu'ils vont avoir peur quand il va être retrouvé mort dans la rivière? Puis en fait, tu voyais tout le monde crève, crève. J'en étais tellement sûr. Oh là là, c'est génial. Ouais, très très bien. Puis encore une fois, narration très bien. Très bien écrit. Écrite cette nuit. Hein. D'ailleurs, hier sur Instagram, on vous a posé la question. À 20h51, on vous a demandé, à votre avis, combien d'histoires on a écrites alors qu'on a émission dans 24 heures plus une. Vous avez été quelques-uns et quelques-unes à répondre 4, 5, et la bonne réponse était 3. Donc si vous avez répondu 3, félicitations. Hier soir, à 20h51, il y avait 3 histoires de prêtres, dont deux de team. Voilà. On voit ceux qui travaillent. Ouais, bah oui. Et heureusement que t'es là. Toujours les invités, je vais te le dire. Heureusement que t'es là. Bon, bah, comme ça, alors on travaille. Mais il y en avait plus. Moi, quand j'ai posté les miennes, il y avait déjà les tiennes. Il était. Non, mais alors voilà. Ce que Thomas fait, c'est qu'il met des fichiers vides avec des titres. Ah oui, c'est vrai. Comme ça, si tu les ouvres, tu te dis, oh punaise, je suis en retard, tu les ouvres, il n'y a rien, tu fais, oh ça va, c'est bon. C'est un petit effet placebo que j'essaie de vous glisser. Bon, je vous dis pas où j'ai écrit mon histoire. Hein. C'est dans le train. Dans le train. C'était complètement dans le train. Passons à la suite, je vous en conjure, puisque... Ça va. Je regarde juste un truc, ouais. Parce que j'avais un petit bug, mais c'est réglé, oui. Tout va bien. Fort bien, c'était quoi le bug? C'était que quand je cliquais sur un fichier, là, sur le drive, il s'ouvrait en tout petit, il fallait que je zoome après pendant une heure. Je ne sais pas pourquoi. N'importe quoi. Fort bien. On va parler de vaisselle. Ben oui. On vient de dire au chat, ne vous moquez pas des triggers. Et tout, tu fais. Non, mais c'est son intro, ça. Attention, c'est son intro, mais ça n'a rien. Je suis pas en train de faire un warning vaisselle. Mais non, mais. Ah. Warning soucoupe. C'est très dur. Oui, voilà, warning mug. Alors, donc, on va parler de vaisselle. Saviez-vous qu'on pouvait entrer en contact avec les esprits avec un simple verre? Il faut juste un verre simple, transparent, sans couleur. Un esprit se montrera pas avec un verre à moutarde Pikachu. Un verre à pied, prétentieux. Non, un esprit, ça se contente d'un simple verre Duralex de la cantine. Il paraît même que si tu lis le petit numéro au fond, ça te donne son âge. Cette histoire s'intitule... Des verres qui tournent. Et je suis vraiment désolé par avance pour ma voix, je vais essayer de tenir... sans mourir jusqu'à la fin de l'histoire. Est-ce que tu veux qu'on fasse très fort tous ensemble? Non, c'est bon, là, je crois que je suis prêt. Bah, allez. Je m'appelle Marine, et la magie m'a toujours fasciné. Quand j'étais petite, j'étais persuadée d'avoir des pouvoirs occultes. C'est donc tout naturellement que je me suis retrouvée avec un groupe d'amis qui partageaient le même centre d'intérêt. Vers nos 13 ans, nous nous sommes lancés dans le spiritisme. Je ne me souviens pas de quand ça a commencé, mais au collège, c'était déjà notre activité préférée. Les rituels ont des règles qu'il faut absolument respecter. Ne jamais être moins de 3, ne jamais plaisanter,
ne jamais exprimer du scepticisme, il fallait s'asseoir autour d'un verre autour duquel on avait disposé des petits papiers sur lesquels étaient griffonnées les lettres de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9 et les deux réponses de base, oui et non. Comment connaissions-nous ces règles ? Pas la moindre idée. L'un de nous avait peut-être lu un livre sur le sujet, ou alors connaissait quelqu'un qui en avait déjà fait. Tout n'était pas rigide, hein. Parfois on se mettait dans le noir, parfois on n'éteignait pas la lumière, parfois on faisait ça à minuit en pyjama, parfois en pleine journée au soleil. Il fallait un verre transparent, basique. Chacune et chacun posait son index sur le fond du verre, posé à l'envers, au centre du cercle de lettres. Après, il fallait méditer en silence. Enfin, à l'époque, nous n'étions pas encore des trentenaires stressés, alors on appelait ça « faire le vide dans sa tête ». Quand tout le monde se sentait prêt, on demandait trois fois d'affilée « Esprit, esprit, es-tu là ?»« Esprit, esprit, es-tu là ?»« Esprit, esprit, es-tu là ?» Je crois que... Et si la séance était réussie, le verre allait alors se mettre à bouger et se diriger vers le « oui ». Alors, les choses devenaient sérieuses. La première question devait toujours être « Es-tu bienveillant ?» Et il fallait arrêter si l'esprit répondait « Non ». Mais nous avions 13 ans et nous voulions prouver que nous n'avions pas peur. Alors souvent, on continuait. Dire qu'on était sceptique était interdit, mais rien ne nous empêchait de mettre discrètement les esprits à l'épreuve. Un soir, je suis sorti de la pièce et j'ai posé une question dont seul moi avais la réponse. Esprit, quel était le surnom que je donnais à ma grand-mère quand j'étais petite ? Je précise que ce n'était pas une réponse simple comme « bonne maman » ou « nana ». On parle d'une blague familiale impossible à deviner sans avoir le contexte. Je me suis mis sur le côté, sans toucher le verre, pour être sûr de ne pas influencer la réponse de l'esprit, qui était la bonne réponse. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais douté. Les séances ont duré des années. Nous avons découvert toute une mythologie autour des esprits, de leur rôle sur Terre. Chaque personne au monde aurait un esprit qui lui serait associé. Appelez ça un protecteur ou un ange gardien. Nous tentions à chaque fois d'en apprendre un peu plus. Ma meilleure amie a pu entrer en contact avec le sien, qui disait être un pilote anglais mort pendant la Première Guerre mondiale. Celui de mon meilleur ami était une petite fille morte dans un incendie du 19e siècle. Je voulais absolument connaître le mien et nous l'avons longuement interrogé. Il a toujours refusé de donner son nom. Et les choses sont devenues un petit peu effrayantes. Es-tu bienveillant ? Non. Je suis maléfique, mais je te protégerai, toi et uniquement toi. Qui étais-tu quand tu étais humain ? Qui étais-tu ? Je n'ai jamais été humain. Si on lui posait trop de questions, il s'énervait et le verre devenait brûlant, se mettant à décrire de grands huit sur le sol. Nous avions du mal à garder nos doigts dessus tellement il allait vite. Un soir, mes parents m'ont refusé une soirée pyjama. J'ai dû rester à la maison, alors j'ai décidé de lire un peu et de me coucher tôt. Au milieu de la nuit, je me suis senti mal. Sans aucun signe avant-coureur, j'ai passé une nuit épouvantable. Quand je me suis enfin réveillé, je n'avais absolument rien. J'étais guéri aussi vite que j'avais été malade. Quand j'ai revu mes amies au collège, elles m'ont raconté qu'elles avaient fait une séance sans moi et que mon esprit avait débarqué et les avait terrifiées. Le verre était devenu brûlant et avait tracé de grands huit, ne s'arrêtant que quand elles avaient brûlé une photo de moi pour le repousser. Ma plus grande frayeur n'a pas eu lieu pendant une nuit sombre éclairée aux bougies. C'était en pleine journée. Il faisait beau et nous étions dans une pièce dont les volets ne fermaient pas, chez mes parents. L'ambiance n'avait rien d'inquiétant. Nous avions alors 15 ans et nous n'avions pas fait de spiritisme depuis très longtemps. On s'est dit qu'on pourrait poser des questions plus profondes, plus détaillées, sur le fonctionnement du monde, sur ce qui se passe après la mort, sur les règles du monde des esprits. Nous avons posé ce genre de questions pendant une bonne demi-heure, quand soudain le verre est devenu fou. Il s'est mis à tournoyer de plus en plus vite, nous brûlant les doigts, dessinant de grands huit qui faisaient voler nos petits papiers, continuant à filer sur le sol, même quand nos doigts n'étaient plus posés dessus. Une de mes amies s'est mise à hurler. Un autre a eu le réflexe de se lever et d'envoyer voler le verre à l'autre bout de la pièce en lui donnant un grand coup de pied.
Quand il s'est enfin immobilisé, on a tous couru au jardin pour nous calmer au soleil. Nous nous sommes dit que c'était sans doute la fois de trop et que plus jamais nous ne tenterions une expérience similaire. À ma connaissance, personne dans notre groupe ne l'a fait. Voilà mon expérience. Je vous jure d'avoir vécu tout ce que je vous ai raconté. Oh, c'était juste. Je voulais synchroniser le dong sur la toux. J'ai raté, c'est pas grave. Je suis arrivé au dernier paragraphe et je me suis dit oh non. Tu as tenu hein, quand même, très très belle voix. C'était très très chouette, beaucoup d'essais de soirée bien sûr. J'ai vexé mon démon garde. Alors On en parle au débrief. Évidemment. J'ai lu votre bingo de merde. Oh. Il n'a pas contribué au bingo. Tu parles mieux. Ça ne serait pas arrivé avec un verre à moutarde Pikachu. Ça, c'est un vrai truc. Est-ce que vous pouvez faire des séances de spiritisme avec n'importe quel air? Parce que moi, j'ai un super verre Spider-Man en plastique. Là, un petit mug des vieilles charrues. Est-ce que ça marche? Une éco-cup. C'est relou parce qu'il fait venir les petits bouts de papier, le, dans le verre. Oh, oui. D'accord, ok. Est-ce que le verre Pikachu est électrique quand tu le touches? Au lieu d'être brûlant. Moi, c'est. C'est possible. Ça marche pas. T'as un verre Ikea, il parle en suédois. Une éco-cup. Une éco-cup. Est-ce que ça marche? T'as dit éco-cup, du coup, j'ai juste pensé à une cup. Une cup. Et une cup, est-ce que ça marche? Voilà, vraie question. Du budget avec une cup, vous êtes d'accord. Et pourquoi un verre? Une prochaine fois. Je vous propose. On en parle au débrief. Mais genre, je te protège toi et juste toi, c'est méga long à épeler. Genre, tu dois rester 2 heures sur ton verre. Le témoignage, elle expliquait que c'était. Elle avait posé plein de questions. Ah oui, c'était un témoignage, mais j'ai dit dès le début, à la fin, il y a voici mon expérience. Je vous jure de tout. Ah oui, c'est vrai. J'aurais dû le garder pour le debunk. C'était pas très grave. Désolé, c'est de ma faute parce que je t'ai lancé dessus, mais genre. Oubliez tout ce que vous avez vu. Ok. Ouais. Très bien. Alors. Bonjour. Je suis l'esprit de. Putain, bref. Tes initiales. Et c'est comme ça que. Alors, l'écriture SMS, ça, on se fait taper dessus. Par contre, les fantômes, eux, ils ont le droit. Allez, super. Je propose qu'on enchaîne. Alors on tousse, c'est le moment. Chez vous, vous pouvez tousser. Oh waouh, on a jamais été si malade. Mais c'est pas vrai. On est tous en train de crever, les amis. L'impression d'être le seul ici qui va encore bien. Pour combien de temps? Ça fait 10 jours, je suis plus contagieux. Ça fait plus d'une semaine aussi, mais j'étais malade pendant 2 semaines et ça part pas là tout. Ça va, j'ai des témoins. Rien pour le moment, mais on verra dans une demi-heure. Ouais, c'est vrai. J'ai un doute aussi. Par sympathie, tu sais, peut-être que vous allez avoir. Moi j'ai eu un petit mal de tête tout à l'heure, très rapide. Un petit doliprane, c'était noyé. On a dit qu'on arrêtait les blagues sur les trigger warnings. Je voudrais vraiment bien qu'on arrête dans le chat, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, tout à fait. Sinon, c'est des bans. Ouais, allez, pourquoi pas. Moi je fais plein de bannes en ce pourquoi moment. Pas j'adore. Ah ouais, c'est une bonne idée. J'adore les bannes. Ça m'éclate, tu peux faire taire quelqu'un avec un bouton, c'est incroyable. Voilà, donc je propose qu'on enchaîne. Effectivement, je double ce truc là sur pas trop de blagues, sur les trucs un peu sérieux qui concernent les vraies personnes, s'il vous plaît. Voilà. Bon, en plus, de toute façon, c'est toujours la même vanne. Et au-delà de ça, quelle est la suite? Boulet. Eh ben, on va parler de mobilier. Et d'objets hantés. Il y a beaucoup d'histoires d'objets hantés. Des poupées, des vêtements, des statues. Très peu de radiateurs. À ma connaissance, aucune tête de Delco. Des montres, des boîtes à musique, certes, mais pas la moindre rumeur de flûte à bec, de capsules de bouteilles ou de jardinières maudites. Bien que concernant les flûtes à bec, je les considère toutes maudites. Non, pour qu'un objet soit hanté, il faut qu'il ait quelque chose d'humain. Un vêtement, un bijou, une effigie de quelque chose. Un objet trop commun, comme une table de jardin ou un pot de lotion pour les pieds, n'a aucune chance. Ressemble-moi d'abord, si tu veux recevoir ce petit supplément d'âme. Et cette histoire s'intitule... La main. Mon copain et moi, on adore chiner. Nous sommes constamment en train de fouiller dans les rayons des antiquaires, de déambuler dans les allées des brocantes et d'être à l'affût de trésors éventuels dans les piles d'encombrants sur les trottoirs. Le seul souci, si c'en est un, c'est qu'on n'aime vraiment pas les mêmes choses. Je suis plutôt objet du 19e et manoir victorien, alors qu'il penche plutôt côté années 70 et That 70s Show.
C'est comme ça que, dans notre maison, des bouquets de mariés de 1920 sous cloche côtoient des objets en plastique moulé orange. C'est pas notre esthétique rêvée, ni à l'un ni à l'autre, mais ça fait un joyeux bordel visuel qui nous ressemble. Ce matin, ne me sentant pas en forme, il est parti tout seul faire la brocante d'une ville voisine, pendant que je passe mon dimanche au chaud, sous un plaid, gardant mon téléphone à portée de main parce que je sais que je vais recevoir des photos et des vidéos de stands et de trésors. Je souris en attrapant mon téléphone. Qu'est-ce qu'il a déniché ? Oh punaise, j'espère que c'est pas une autre lava-lampe. Je sais franchement pas où on va la mettre. J'ouvre mes messages et... Oh wow ! Ok, je retire ce que j'ai dit. J'aurais préféré 15 nouvelles lava-lampes. Mon téléphone sonne. Allô ? T'as ouvert tes messages ? T'as vu comme elle est cool ? C'est une originale mode RMI Handchair. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à partager son enthousiasme à la vue d'une monstrueuse chaise en plastique en forme de main géante, mais il a l'air tellement content que j'ai pas le cœur de lui dire. Ah ouais, ouais j'ai vu, ça doit coûter méga cher du coup. Ouais, normalement oui, mais le gars veut pas la remballer dans son camion, il me l'a fait à 200 euros. Tu te rends compte, c'est à peine un dixième du prix de revente. Et merde. Bon. Bah il semblerait que je vais cohabiter avec une main gigantesque qui attend juste qu'on pose son cul dessus. Quand il est rentré avec la chaise, qu'il l'a posée fièrement dans le salon et qu'il l'a admirée pendant 20 minutes en me faisant un exposé sur la nette inspiration du design de Pedro Friedeberg et de la technique de moulage de plastique, j'avais qu'une seule chose à l'esprit. Punaise, je déteste ce truc. Mais il m'a dit... Non mais vas-y, assieds-toi dedans, tu vas voir, c'est étonnamment confortable. J'ai souri et j'ai posé mon derrière dans la paume ouverte. Et si effectivement c'est plus confortable que ce que je pensais ? J'ai surtout eu une horrible sensation de froid et de tristesse. Ça n'a aucun sens, dit à voix haute, mais c'est comme si d'un coup, la température avait chuté de 10 degrés et que la seule chose que j'ai la force de faire, c'est de me rouler en boule pour pleurer. Jérémy me tire par le bras en riant. Allez, c'est à mon tour maintenant. Je me retrouve à nouveau sur mes pieds, au chaud, dans mon salon ensoleillé, avec la capacité de respirer normalement et des idées claires. Je le regarde assis sur la chaise, extrêmement content et babillant des éloges sur le design de l'objet. Je comprends pas ce qui vient de se produire, mais je me jure solennellement de ne plus jamais m'asseoir dans ce truc. Mais en vrai, c'est quand elle a commencé à bouger que les problèmes avec Jérémy ont commencé. Et oui, croyez-moi, j'ai parfaitement conscience de l'absurdité de cette phrase. Le lendemain... En me posant dans le canapé avec ma tasse de thé, j'ai remarqué que la chaise n'était pas tout à fait dans la même position que la veille. J'y ai pas prêté grande attention, mon copain se cogne constamment dans l'immeuble. C'est pas inhabituel de retrouver la table basse en biais après l'avoir vu passer dans le couloir en se frottant le genou. Mais à midi, quand je suis revenue dans la pièce pour déjeuner, la main était maintenant décalée de 15 bons centimètres en direction de la porte de la chambre. Jérémy étant parti plus tôt pour des rendez-vous clients, personne n'a pu la déplacer. Je réprime un frisson. Vraiment, j'aime pas ce truc. Je la remets dans la position initiale, mange mon repas et retourne travailler. J'entends la porte qui claque et la voix de Jérémy qui vient du salon. Je retire un de mes écouteurs. Quoi ? Pourquoi t'as mis la chaise devant la porte de la chambre ? C'est pas pratique. Ok. Soit mes nerfs me jouent des tours, soit cette merde géante en plastique est hantée. Je le rejoins dans le salon et effectivement... Elle est à 90 cm de la position à laquelle je l'ai laissée quelques heures plus tôt. On peut même voir les traces du chemin parcouru sur le tapis. C'est pas moi, je l'ai pas bougé. Ouais, ok. Le jour suivant, même cinéma. Dès que l'on quitte la pièce, la chaise se rapproche inévitablement de la porte de la chambre. Jérémy ne me croit évidemment pas quand je dis que je n'y suis pour rien. Ça m'agace au plus haut point, mais en même temps, je le comprends. Ça n'a aucun sens. J'en ai rêvé cette nuit-là. La main géante avait réussi à entrer dans la chambre et me serrait si fort entre ses doigts que je sentais mes côtes s'écraser en broyant mes poumons. Le lendemain matin, de mauvaise humeur après ces cauchemars, je repousse franchement agacée la chaise à sa place afin d'accéder au canapé. Quand je réalise qu'un autre truc cloche. Je plisse les yeux. Je mets la tête sur le côté. Qu'est-ce que... Oh, je sais. Les doigts n'étaient pas dans cette position. Un long frisson me secoue le corps. Je suis absolument certaine que les doigts n'étaient pas dans cette position. Je cherche dans mon téléphone en tremblant la photo envoyée du magasin 3 jours avant. Je la lève au niveau de mes yeux et je fais la comparaison.
Les doigts sont définitivement différents. Le majeur est beaucoup plus près de l'index et le petit doigt forme un angle alors qu'il est parfaitement droit sur la photo. Ça n'a aucun sens. Je me précipite en direction du bureau. « Jérémy, viens voir !» Mais à la seconde exacte où j'atteins le seuil de la porte du salon, un bruit de plastique écrasé retentit, comme si quelqu'un avait marché sur 10 bouteilles de plastique en même temps. Surprise. Je me retourne pour trouver l'origine du bruit et... Mais, sérieusement, la chaise est différente. Elle a repris la position de la photo. Le petit doigt est parfaitement droit. Le majeur est de nouveau à la même distance de l'index et de l'annulaire. Jérémy a tenté de me convaincre qu'avec des variations de température, le mobilier en plastique pouvait se déformer. Mais j'ai été implacable. La chaise doit partir. Il a boudé, mais il a cédé. Elle a été vendue extrêmement vite sur le bon coin. Et... personnellement, je suis très heureuse de ne plus avoir de mobilier qui se déplace dans ma maison. Qui imaginait la main petite à petit commencer? Non, il y a plein de gens qui ont fait la blague. Ouais. Alors, opinion impopulaire, c'est là que le dressage est important. Parce qu'une chaise qui a une main, donc qui a des pouces opposables et qui peut vous rapporter des trucs, surtout un peu lourd et tout, super pratique. Pardon. Si t'as deux chaises, elles peuvent faire le signe de Jules. Et en matière de déco, ça. Donc déjà, ça c'est super stylé pour la déco. Est-ce que tu peux, peut-être que tu peux lui parler, peut-être que tu peux. Non. On ne fait pas le signe là. C'est pas poli. Il y a moyen de. Je pense qu'il y a quelque chose elle à creuser. Jouer au très gros piano. Le meuble de seconde main, c'est oui. Ouais. Ah oui. Il y a eu beaucoup de blagues c'est sur. Oui. Main. C'est très drôle. C'est très drôle. J'adore. Je vous adore. Vous êtes trop fort. Vous faites beaucoup. Voilà. Toi aussi, on va rester là. Je crois que c'était dans le bingo, ça aussi. Non, je pense pas. Non, destruction de matériel. Problème de micro. De quoi? Techniquement, il y a problème de micro. Pardon. Techniquement, c'est pas le micro, c'est le. Bon. Nous rappelons aux gens qui sont arrivés entre temps que sur Instagram, il y a un bingo tout fraîchement posté. Et que donc si vous abonnez-vous, encore, voilà. C'est le moment, on voudrait bien passer les 4000 ce soir. C'est merci. Ça, donc c'est instagram.com/bouletcorp. Exactement. Non, pas du tout. Les nouilles rampantes, bien sûr, sur Instagram. Les nouilles rampantes aussi. Connaissez. Je vous propose qu'on passe tranquillement à la suite, on avance, il reste encore quelques histoires. Oui, t'avais quoi? Juste un détail, oui, j'avais complètement oublié que je devais lire dans ton histoire. Donc t'as commencé à lire, j'étais comme un bien heureux avec ma bouteille d'eau, comme ça. Et puis tout à coup, j'ai fait... clic, ouvre vite le fichier. Du coup, t'étais dans les temps. J'ai même Écoute, oui, j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de dialogue au début. On rappelle également, il y a Sandrine qui dit moi, je follow déjà les nouilles rampantes sur Instagram depuis très longtemps. Voilà, suivez les encore de Sandrine de l'offre, s'il vous plaît. Merci également, Cora, pour tous les liens, hein, vraiment. Lesnouillesrampantes.com, hein, voilà, c'est un classique. Donc, ça, l'adresse, j'ai oublié. Bref, alors. On va parler de légendes qui font peur et de gens qui vont vérifier. Et ça m'énerve à chaque fois. Pourquoi tu cours vers le danger? On te dit n'y va pas, c'est dangereux. Et tu es déjà en train de mettre ton chapeau. On te dit que personne n'en est revenu et toi tu veux aller voir pourquoi. Quelle est cette voix qui te dit d'approcher un peu plus près du gouffre? Quelle est cette pulsion qui te fait mettre ta vie en jeu pour aller quelques centimètres plus haut, quelques millimètres plus profond que les autres? Si Dieu voulait vraiment préserver le jardin d'Éden, il aurait dû laisser l'arbre au milieu, avec un panneau « Servez-vous ». Adam et Ève n'y auraient même jamais touché. Ils seraient allés se geler le cul pour aller cueillir la plus haute Edelweiss de la montagne à la place. Il y en a eu des intros, mais celle-là était pas mal. Cette histoire s'intitule... Le cri dans les ruines. Je connais... un super endroit. On était tous les trois dans un jardin public à se prendre une petite glace, des enfants jouaient dans la fontaine, la voix dans le haut-parleur qui crachait des informations qu'on n'entendait pas très bien. C'est pas loin d'ici en plus. J'ai une amie qui habite dans une grande ville au bord de la mer. Quand on s'est séparés à la fin de nos études, elle nous l'a bien vendue comme « the place to be » pour l'été, des festivals partout, des salles d'arcade et surtout, bien sûr... la mer, un grand centre commercial, des belles balades à faire, bref, l'endroit rêvé. Moi, je viens d'une région voisine.
chez moi, on ne trouve pas la mère, on trouve des diplômes. Donc quand elle est repartie, elle m'a dit « Bah viens chez moi, en plus tu verras, c'est direct en train ». Et après lui avoir dit 20 fois « Ça suffit, Bianca, lâche-moi la grappe ». Déjà, elle s'appelle pas vraiment Bianca, mais un jour j'ai surnommé comme ça pour rigoler, c'est resté. Maintenant ça l'énerve. Bref, j'ai fini par céder. On était tous les trois à squatter chez ses parents, elle, moi et un autre camarade de classe qui s'appelle Hector et qui est du genre à préférer passer ses journées le nez dans l'herbe plutôt qu'à parler avec des êtres humains. Mais bon, depuis quelques temps ça va mieux, donc il était plutôt bienvenu. J'ai très peur de ce que tu vas dire. Oui, bon, on a fait du vélo pendant une journée complète dans une forêt où on voyait rien devant nous, je pense que j'ai le droit à un joker. C'était pas très agréable cette sortie à vélo en vrai. On avait fini à la plage, on avait zoné dans la salle d'arcade à la nuit tombée. Pour moi, tout était pardonné. Et par contre, Hector était encore un peu vexé. Il y a un festival de danse traditionnelle pas loin, ça se fait en un coup de vélo. Je vous promets que vous avez jamais vu ça. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, le soir même, sur les bancs d'un théâtre en plein air, attendant un groupe de danseuses en compagnie d'un public composé à la fois de touristes, de puristes. Bref, un bon moment. Et ça n'a pas loupé. À la seconde où les danseuses sont arrivées... Ok, j'ai une meilleure idée. Arrête, on passe un bon moment. Après, moi j'aime bien pour l'instant ce qui se passe. Là, c'est... Il y a une tour abandonnée, pas loin d'ici. Ok, j'écoute. La nuit, les gens qui passent à côté entendent des cris. Non mais le spectacle, c'est super en fait. J'imagine que c'est interdit d'y aller. Extrêmement interdit. J'imagine que tu vas être pénible pendant tout le spectacle si on n'y va pas. Extrêmement pénible. Allez. Et donc, on s'éclipse. C'est un petit village, et en dehors du festival, tout est désert. On s'approche de la tour et... C'est ça ta tour ? C'est grand comme une petite auberge, 2-3 étages maximum, une vieille pagode. Il n'en restait plus rien. Si c'était une tour, le centre commercial d'où on venait, c'était une montagne. Elle a brûlé pendant un orage. Enfin, ça, c'est l'histoire. Mes parents pensent qu'un des moines est devenu fou et a incendié le bâtiment. Et ils ont jamais pensé à reconstruire ? Ça reste un site religieux. En plus, ils ont une autre tour à l'autre bout du village et pas assez d'argent pour tout retaper. Et des gens entendent des cris la nuit, je vous ai dit. Enfin, c'est ce qu'ils disent pour attirer les touristes. Comme nous ? Non, parce que nous, on va la visiter. Hector a hésité. Mais elle, elle a réussi à le convaincre. Il y a un fantôme. Hector n'a pas eu le temps de souffler, que notre guide s'était déjà glissé dans l'entrebâillement de la porte. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à l'intérieur d'une tour brûlée. La nuit, bloquée dès l'entrée, entre quatre murs, dont un seul, avec une porte. T'as de quoi éclairer ? Non. Non, toi, je m'en doutais un peu. Et toi ? J'inspecte ma ceinture et... Non, j'ai rien sur moi, là. Il y a de la lumière, là, par contre. À droite, juste après l'entrée... Une chatière, toute petite, à peine de quoi passer un corps. Faudrait déblayer devant, tu peux t'en charger. Ouais, tout ça parce que je suis bon avec les cailloux. Je m'en occupe aussitôt. Le trou apparaît, déjà un peu plus large, et sans dire un mot, nous passons dedans, l'un après l'autre. Qu'est-ce qui peut mal se passer après tout ? Au pire, on tombera sur des squatteurs et on n'a pas l'air, mais mes deux camarades et moi, on sait se défendre. La lumière vient de la lune et des lanternes de la ville. Nos yeux s'adaptent. Nous commençons tout juste à distinguer des formes, des couleurs, des structures. Par terre, des fioles, des sprays, des canettes, des emballages, des protéines, pas de doute. C'est squatté. Le couloir dans lequel nous sommes n'est pas très grand. Il fait le tour de... Eh ben, le tour de la tour, quoi. C'est complètement délabré. Mais est-ce qu'il y a vraiment des fantômes ici ? Ou est-ce que c'est juste des jeunes hippies ou des cracheurs de feu qui veulent se changer les idées dans la ville la plus religieuse de la région ? Quelque chose attire mon regard sur les murs. Il y a des motifs. C'est normal dans ce genre de lieu. Il y a des écritures aussi. Des écritures qui ont des centaines et des centaines d'années. J'ai du mal à les déchiffrer. Hector, viens voir ! Ouais. T'arrives à lire, là ? Non, on voit mal. Les lueurs sont faibles et cette écriture, tout en courbe, rend la lecture difficile. Les lettres ressemblent à des espèces de clés. Le sommet... Non. Le sommeil... non, le sommeil est sage. C'est vrai qu'il est tard, c'est vrai. On pourrait dormir, là. On pourrait être en train de dormir, là. Ne réveillez pas. Ne réveillez pas quoi ? Ne réveillez pas. Juste ça. Le sommeil est sage, ne réveillez pas. Pouf, ça veut rien dire. Il y a d'autres écritures ici. On a continué à lire les murs. Il était question d'une tempête...
d'un orage, d'un incendie. Mais toutes ces écritures qui sont si vieilles, si visiblement incrustées dans le mur, comment est-ce qu'elles peuvent parler d'une tempête, d'un orage, d'un incendie? Quelque chose qui a brûlé la tour et qui donc ne s'était pas produit au moment de la construction? Oh merde, c'est des tags. C'est les squatters, ils ont tout tagué. Le gars? Il est un peu plus loin. On court vers lui. Comment c'est possible, ça? Un premier mot de vieilles écritures, faites de courbes sèches, disait « Adieu ». Et juste à côté, « Hector ». Et plus bas, « Adieu ». Et à sa droite, « Blanche ». Que... Pourquoi il y a mon prénom? Qu'est-ce que... Et juste en dessous, « Adieu ». Pierre? C'est trop bizarre. C'est pas possible, c'est une coïncidence. J'examine mon prénom comme si j'y croyais pas, je le scrute, je le dévisage, je passe chaque lettre comme pour chercher un défaut, et au moment d'arriver sur le P, dans la boucle du haut de la lettre, un œil apparaît. Un œil qui me fixe, un œil qui hurle sans faire de bruit, et sur toutes les autres lettres, un œil apparaît. Et sur le mur, toutes les lettres se réveillent, et elles tremblent, et elles se mettent soudain à légèrement refléter les lumières de la ville et de la lune. Par ici ! Les lettres se mettent à siffler pendant que Blanche nous enfonce dans le couloir. Sur notre passage, les lettres se réveillent et bruissent de plus en plus fort. Elles brillent de plus en plus fort. Ne réveillez pas. Adieu, Hector. Adieu, Pierre. Le sommeil est sage. Ne réveillez pas. Le temps n'est pas venu. Adieu, Blanche. Ne réveillez pas. Nous courons entre les décombres, évitant les débruits et les déchets. Nous entendons les lettres qui vibrent derrière nous. Les yeux dans les lettres sont de plus en plus brillants, de plus en plus en colère, de plus en plus vrombissants. Et d'un coup, plus rien. Toutes les lettres s'éteignent et se taisent. Plus aucun mot, plus aucun son. Juste la nuit, les lumières de la ville. On respire un petit peu, un rapide instant. Et au milieu de rien, un son terrifiant qui vient d'en bas. Je savais pas qu'il y en avait un bas. Je veux pas savoir ce qu'il y a en bas. On sort. Ouais. On commence à rebrousser chemin. Blanche le rattrape aussitôt. T'es pas bien, tu veux vraiment te refaire le couloir? On sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a de la lumière, il y a des fenêtres, c'est par là qu'on va sortir. Marcher, et ne pas regarder le mur, et ne pas trébucher, et marcher, et garder le rythme, et rester calme, et avancer vite, mais rester calme, ne pas regarder le mur, tourner, ne pas regarder le mur, s'approcher de la fenêtre, ne pas regarder le mur, ne pas se laisser déconcentrer, ne pas regarder le mur. Attends, quel mur? Il aurait dû y avoir un mur sur ma gauche, là. Mais le mur s'est effondré. L'incendie, probablement. Blanche et Hector sont déjà à la fenêtre. Allez, tu fais quoi, là? En s'effondrant, le mur a fait comme une sorte de rampe qui conduit à une scène, une sorte d'estrade, au milieu d'une sorte de cave, comme un temple. J'ai jamais vu ça comme ça. Et surtout, au fond, il y a quelque chose qui bouge en bas. Allez, mène-toi! Ses yeux à elle ont aussi eu le temps de s'habituer à l'obscurité. Et elle aussi. Là, elle les devine. Elles dorment. J'espère qu'elles dorment. Une des bêtes semble drapée de tentacules, une autre d'une crinière imposante sur son dos. Et la dernière a l'air de porter comme un masque. Et elles dorment. Enfin, j'espère qu'elles dorment. On est revenu juste à temps pour la fin du festival de danse traditionnelle. À la fin des vacances, nous sommes tous les trois repartis chez nous. Enfin, juste Hector et moi, quoi. On parle souvent de cette histoire. C'est marrant, il y a des gens qui pensent qu'on raconte n'importe quoi. J'en croise parfois qui m'écoutent, qui me disent qu'ils iront. J'ai écrit à la ville aussi une fois, j'ai voulu savoir pourquoi ils autorisaient ça. Ils le savaient forcément. Si nous, on a vu ça, ils le savent, c'est sûr. J'ai jamais vraiment eu de réponse. C'est dommage. C'est pas tellement que je voulais savoir, c'est juste, nous, ça allait. Nous, on est grands. Nous, on a fini nos études et nous, on sait se défendre. On a agi en adulte. Maintenant, juste... Imaginez un enfant qui tombe là-dessus. Thomas avait oublié de couper mon micro, j'étais comme ça pendant toute l'histoire. Je suis désolé.
J'ai raté les... Ah, voilà. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, un petit peu d'urbex. Un petit peu d'urbex. Il en reste 15 histoires. À dire. Bientôt fini. Bien le débrief, évidemment. Évidemment qu'il y aura un débrief. Ah, oh oui, j'ai vu passer. Oh là là, oh là là. T'as vu passer ? J'ai vu passer. Oui, moi aussi. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Est-ce que on n'enchaînerait pas par hasard ? Thomas, il commence à se dire, on est à la bourre. Il non, est 36, ça va. Il reste combien ? Il reste trois histoires, dont une assez longue. Ah oui, donc d'accord. Donc. Un stylo ? Non, c'est pas... ça sert à rien de chuchoter, on peut demander. Il y en a un là il derrière. Il a tapé là-bas, est-ce que quelqu'un a un stylo ? Non, non, mais il y en a un derrière toi là, chérie Crime. Derrière le petit truc pour essuyer le tableau. Oh, tellement pas. Ben voilà. Tu me dis, hein, parce que ça va être ton histoire, donc il faut que tu me dises, je suis prêt. Ah oui, non, je m'arrête, je le ferai plus tard, c'est pas important. Ah d'accord. Ah, tu t'ennuyais en fait ? Oh. En fait, on a commencé à veux-tu sortir avec moi ? Oui, non. Rendez-vous à la sortie. Veux-tu conjurer que tu lues avec moi ? Oui, non. D'ailleurs, on va parler sorcellerie un peu. La sorcellerie, c'est sale. Non, mais rien que les matières premières. Vous avez déjà vu ce qui arrive à une courgette après une semaine dans un panier ? Imaginez devoir conserver des yeux de triton. Alors, une petite saumure, ça aide. Mais rien ne dit que ça influe pas sur le résultat de votre maléfice. Et les pentagrammes ? Qui va les nettoyer, les pentagrammes ? Vous avez déjà essayé de ravoir un tapis couvert de cire de bougie fondue ? C'est bien beau de sacrifier le poulet, mais on en fait quoi après ? On le met au compost ? On cuit les pilons avec de la moutarde ? Chaque cérémonie, c'est le bordel. Et personne ne remet jamais les entrailles au frigo. Il y a vraiment des coups de pied occultes qui se perdent. Oh, oh là là, c'est oui ! Cette histoire s'intitule, Tim ? Au fil du souterrain. Nous sommes à la fin de l'été 2009. Ce jour-là, je décide d'aller explorer un ancien commissariat à l'énergie atomique abandonné depuis quelques années. Si j'aime bien explorer ces lieux tout seul pour prendre des photos tranquillement en prenant mon temps, j'aime aussi beaucoup emmener des amis avec moi, surtout quand ils n'ont jamais fait ça. Ils ont encore cette capacité à s'émerveiller qui s'est un peu émoussée avec moi. Et puis, les souvenirs sont toujours mieux quand ils sont partagés. C'est pour ça que lors de cette visite, nous sommes 6. L'été touche à sa fin, mais il fait encore très chaud lorsque nous pénétrons dans le cimetière qui nous permettra d'accéder au site. Si chaud que nous sommes tous en t-shirt. Le temps de circuler entre quelques tombes, nous trouvons une ouverture dans le grillage et entrons sur le site les uns après les autres. Nous pourrions très bien escalader le portail situé à l'entrée du CEA, mais il y a un vigile sur place, dans un cabanon, juste à côté. Et oui. Même si le site est abandonné depuis quelques années, il y a tout de même un gardien pour empêcher vol et dégradation. C'est parfois le cas de certains lieux à l'abandon. Voilà pourquoi nous avons fait un détour par le cimetière. Une entrée discrète qui nous permet d'entrer rapidement dans un des bâtiments qui compose le lieu. Ici, nous sommes complètement en dehors du champ de vision du vigile, si jamais il se décidait à faire une ronde. Une fois à l'intérieur, nous découvrons des espaces vides où traînent encore quelques documents. Mais rien de bien passionnant malheureusement. Je jette un coup d'œil par une des fenêtres et aperçois un autre bâtiment, haut de 5 étages, lui. De là-haut, la vue devait être superbe. Ni une ni deux, nous sortons les uns derrière les autres et nous nous dirigeons vers celui-ci. En chemin, nous passons devant un terrain de tennis à l'abandon. Le temps d'une photo prise à l'arraché, nous pénétrons dans le bâtiment de 5 étages, puis gravissons l'escalier principal situé près de l'accueil. Quelques dizaines de marches plus tard, le panorama est sublime. Mais alors que je me penche pour voir si ça fait peur d'être au bord du vide, spoiler, ça fait peur, j'aperçois le vigile entrer d'un pas décidé dans l'immeuble où nous nous trouvons. On a été repéré. Comme nous sommes sur le toit, nous avons un petit laps de temps avant qu'il n'arrive jusqu'à nous. A priori, le vigile a pris le même escalier que nous. Je propose donc à mes camarades d'exploration de redescendre rapidement, mais en faisant le moins de bruit possible, par l'escalier de service situé à l'opposé du bâtiment. Nous nous dépêchons de descendre, poussons une petite porte, et en un clin d'œil, nous voilà dehors. Ouh. Pas de vigile en vue. Il doit être encore dans les étages, ou sur le toit. Vite, nous devons trouver un endroit où nous cacher. Et coup de chance, ce ne sont pas les cachettes qui comptent ici. Ce ne sont pas les cachettes qui manquent ici. Je compte jusqu'à 3, puis nous nous dirigeons en file indienne, nous réfugier derrière une sorte de grand monticule situé au milieu du site. C'est un monticule recouvert d'arbres. Parfait pour ne pas être dans le champ de vision du vigile.
Cachée derrière cette étrange colline, je me demande ce qu'elle fait ici, au milieu du CEA. Je distingue alors des pierres sous la végétation. Mais oui, si bien de la meulière, tout le site est construit autour d'un ancien fort. Un petit édifice un peu perdu au milieu des bâtiments modernes qui ont été construits tout autour. Si ce fort est là, il y a forcément une entrée quelque part pour s'y cacher. Quelques pas plus loin, bingo. Dissimulé derrière du lierre, une vieille porte rouillée entrouverte permet d'y entrer. Une fois toute la bande à l'intérieur, nous la refermons. Enfin, juste aux trois quarts, car elle est horriblement grippée. Avec de la chance, le vigile est encore en train de nous chercher dans le bâtiment de 5 étages. Dans ce fort, nous sommes bien cachés. Devant nous, un couloir s'étire, simplement éclairé sur quelques mètres par le ray de lumière qui passe par l'entrebâillement de la porte. Mais plus loin, c'est le noir complet. C'est le noir et en plus il fait terriblement froid ici. Venu en t-shirt, je n'avais pas prévu de me retrouver dans cette situation. Et en plus de ça, un petit courant d'air froid venant du couloir nous fait frissonner. C'est presque comme si nous sentions le fort respirer. Mon sac à dos me protège un peu le dos, mais sur mes bras, c'est la chair de poule. Bon, c'est pas tout ça, mais si le vigile arrive et qu'il nous trouve juste derrière la porte, ça sera la partie de cachage la plus nulle du monde. Alors je propose que nous avancions. Plus loin, alors que nos yeux se sont un peu habitués à l'obscurité, nous découvrons un escalier plongeant dans le ventre du fort. Par réflexe, j'appuie sur un vieil interrupteur installé au début de l'escalier. On ne sait jamais, si ça se trouve, il y a encore du courant. Peine perdue, il ne se passe rien. Nous descendons à tâtons, marche après marche, dans le souterrain, moi en tête, 2 ou 3 mètres devant mes copains. Une fois en bas de l'escalier, la température a encore baissé. Il fait froid comme dans un frigo. Je repense à la veste que j'ai laissée dans la voiture une demi-heure plus tôt. Quelle nouille! J'aurais dû l'attacher à ma taille, elle m'aurait bien servi en ce moment. On doit tourner autour des 12 degrés ici, contre 28 dehors. En bas de l'escalier, même si mes yeux distinguent à peu près où je vais, je ne vois pas le bout du couloir. Me retournant, je fais signe à mes camarades de me suivre en faisant 2 pas à reculons. C'est alors que je sens quelque chose m'effleurer le bras. Quelque chose qui n'est ni du bois, ni du métal, ni de la pierre, ni rien dans le genre. C'est poilu, c'est froid, et ça appuie de plus en plus fort. Mais en fait, ça n'appuie pas de plus en plus fort. C'est moi qui suis en train de le pousser, si je puis dire. J'ai tellement peur que je me retourne et je fais un pas de recul. Là, la chose revient vers moi. Mais pourquoi revient-elle vers moi? C'est simple, en fait elle est suspendue à un fil. Lorsque j'ai avancé sans la voir, je l'ai poussée. Maintenant que je recule, elle revient à son emplacement par effet de balancier. La logique de l'horreur. Je fais un grand pas en arrière et tombe sur mes camarades. C'est quoi ce truc? Quoi? Je sais pas, il y a un truc qui m'a touché. Horrifiés, nous découvrons la chose suspendue, éclairé par la lampe du smartphone d'un ami qui vient de l'allumer. Comment décrire cela? C'est une tête. La tête d'une créature. Je distingue une sorte de museau, des narines, une gueule composée de dents de différentes tailles, mais pas humaines. Autour de cette gueule, des touffes de poils, hirsutes, tombantes. Et plus bas, ce qui ressemble à de longs lambeaux de chair gluants, faisant horriblement penser à des doigts. Le tout est terriblement sale, parsemé de traces de boue séchée. Ces traces donnent l'impression que la bête, car il doit s'agir d'un animal, a été malmenée. Terrorisés, nous nous bousculons les uns les autres, remontant les marches 4 à 4. En haut, nous filons à travers le couloir, poussons la porte rouillée, puis courons nous réfugier dans le premier bâtiment qui se présente. Coup de chance, pas de vigile en vue. C'est dans l'ancien local syndical parsemé d'autocollants CGT que nous reprenons notre souffle. Nous nous interrogeons en chuchotant. C'était quoi ce truc? Une tête de sanglier, de taupe? On aurait dit qu'il y avait des doigts. Mais pourquoi suspendu? Et pourquoi à cet endroit? Nos questions resteront sans réponse. Décidant que nous avons eu notre compte d'émotions fortes pour la journée, c'est avec en tête l'image de cette chose suspendue dans les souterrains du fort que nous quittons les lieux. J'ai une question. Est-ce que tu as fait un pari? Est-ce que tu devais placer Nouille dans toutes tes histoires? Oui. Ah. Je suis très corporate. Je suis très corporate. Ça, c'est incroyable. On n'a jamais fait nous, quoi. Les nouilles des nouilles.
Ouais, c'est incroyable. Et moi, j'ai une autre question. Genre, entre une tête de sanglier et une tête de taupe, il y a genre environ 60 cm. C'est ce que j'ai dit aussi. Ça a été ma première remarque. Oui, c'est la première chose qui m'est venue en tête. On a vu ça suspendu, on s'est dit c'est une tête de sanglier. Parce que ça paraissait fou. C'est un animal sauvage. Quand on pense à un animal sauvage, on pense plutôt à un sanglier qu'une taupe. Donc, en tout cas, dans l'histoire. Alors, j'ai vu la photo. Moi, j'avais parié sur un blaireau. C'est peut-être un blaireau. Il y a une photo ? Il y a une photo. Il y a une photo. Ou peut-être un montage. On ne sait pas. Ma première réaction quand il a dit il y a un truc suspendu et tout, j'étais en mode oh non non, est-ce qu'on lui a dit qu'il fallait pas parler d'araignée, est-ce qu'on lui a dit qu'il fallait... Oui, je lui ai dit. Le chat était vraiment en mode pas briefé. Mais non, tout va bien, vous savez, on va manger des nouilles pour de vrai ensemble et on se briefe à ces moments-là. On parle de vous, on dit des choses sur vous aussi, des choses gentilles. Spécialement sur toi. Principalement sur la personne qui... Bref, bah alors, donc, du coup, tu sais de qui je parle. On enchaîne parce qu'il est 23h44, alors évidemment, si c'était un local CFDT, ils auraient été trahis à la fin. Pourquoi pas, pardon, CGT me... Parce que c'est toujours un local CGT dans ces lieux. Évidemment, évidemment. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qui nous arrive ensuite? On va parler de pleurer. Les nouilles chialantes. On nous enseigne assez vite que les adultes ne pleurent pas. Retiens tes larmes, ne te couvre pas de ridicule. Rire, ça va. Pour une raison mystérieuse, rire à un truc drôle est plus normal, plus logique que de pleurer à un truc émouvant. Nous sommes l'espèce qui a élevé les émotions au rang des beaux-arts, sublimant le moindre recoin de la psyché humaine. Alors pourquoi nous sommes-nous amputés comme ça de la moitié de nos émotions? Cette histoire s'intitule... Des yeux pour pleurer. Vous le savez, j'exerce le beau métier de critique de cinéma. Parce que tout ou toute passionnée qui n'a ni le talent pour faire, ni la patience pour enseigner, eh bien, critique. Moquez-vous, mais moi j'aime ce métier. Il me donne l'impression de faire une sorte de constante chasse au trésor, parce qu'après tout, en voyant tous les jours des films, certains avec curiosité et d'autres totalement contre mon gré, naviguant de chefs-d'œuvre en navet, les premiers étant sensiblement moins nombreux que les seconds, le but c'est de retrouver l'émotion, voyez-vous. Je dis retrouver parce que, passer les premiers coups de foudre du cinéma purement sincère et spontané qui déclenche, dans sa jeunesse, sa passion pour cet art, la personne qui exerce la critique comme métier peut parfois avoir du mal à de nouveau ressentir ce type d'émoi avec la même intensité. Quand vous voyez ces films par obligation, selon un emploi du temps déterminé par tout sauf votre envie, quand vous les avalez à la pelle, quand vous devez réfléchir à quelque chose de vaguement intelligent à dire dessus, eh bien oui, quoi qu'on en dise, ça transforme quelque peu l'expérience. Voilà pourquoi, moi, je vois chaque projection comme un défi. Est-ce que ce nouveau film saura, même dans ces conditions, réveiller en moi cette passion sincère des débuts? Parce que... saura-t-il m'émouvoir réellement et profondément? Pas simplement parce que je saurais admirer un travail bien exécuté et un message bien délivré. Parce que, voyez-vous, j'ai l'impression que cette abondance d'images m'a parfois un peu anesthésié le cœur. Difficile pour moi aujourd'hui d'avoir réellement peur au cinéma, de réellement me tordre de rire au cinéma, et surtout d'avoir réellement envie de pleurer au cinéma. Ah, pleurer devant un film, quelle réaction intense et poétique. C'est pour cela qu'on vit, non? Pour se faire remuer jusqu'à la moelle par l'art, le vrai. Mais voilà tout mon problème. Je suis incapable de me rappeler la dernière fois qu'un film m'a fait pleurer. Je me croyais pourtant romantique, hein, mais je crois que mon métier a fini par éteindre la lumière quelque part dans mon cœur, parce que je n'y arrive tout simplement plus. À moins que ce soit les films qui soient tous devenus fades. Pourtant, bah, c'est pas ce qu'on lit dans la presse. Hein. Mais vous voyez, moi j'en crève d'avoir perdu cette faculté de m'émouvoir comme une enfant. Alors quoi, c'est donc ça ma vie d'adulte? Contempler l'art avec science et détachement, sans qu'il ne puisse plus jamais me parler? Hors de question que je me résigne à cela. Hein. C'est pourquoi aujourd'hui, à chaque fois que je découvre un film, j'attends qu'il me fasse pleurer. Je veux que mes yeux secs retrouvent leur pouvoir lacrymal, vous comprenez? J'ai besoin de cette preuve physique que mon cœur bat encore. Ce matin d'ailleurs, je me suis rendue à la projection d'un film. Une fresque historique poignante, disaient mes collègues. Mais pour moi, bah, rien à faire. Les affrontements terribles et les morts tragiques n'ont pas su m'arracher le moindre petit tremblement de lèvres. Alors voilà que maintenant, j'enchaîne avec le dernier film d'amour attendu du grand public. Le dernier succès d'année en date de Roméo et Juliette, si on veut. Eh ben non, rien à faire. Le film se déroule, là, et bah, vous voyez, ça me fait rien.
J'entends renifler partout autour de moi dans la salle, alors que les amants se jurent des sentiments éternels. Mais moi, il faudrait que je me plante des épingles sous la peau pour espérer faire monter une larme. Et encore. Alors c'est donc ça, critique de cinéma ? Ils avaient donc raison, tous ces ignares qui me disaient que ma qualité de jugement finirait par s'éroder à force d'être tannée par les films comme un cuir fatigué. Mais non, je le refuse. L'art, c'est trop important pour moi. Pour vous aussi, non ? Alors je le trouverai, le film qui me fera pleurer. Il en va de ma santé à ce stade. Je crois que je deviens folle. J'ai peur de moi, en fait. J'ai peur de cet être de pierre qui a remplacé l'enfant sensible que j'étais. Et si je pouvais ne plus jamais aimer sincèrement quoi que ce soit, ou même qui que ce soit ? Si je ne peux pas pleurer devant du Shakespeare, est-ce que je serais capable de pleurer le jour où on me demandera en mariage ? Le jour où je perdrai mes parents ? Le jour où mes amis me trahiront ? Ou est-ce que tout cela n'aura plus aucune importance pour moi ? Est-ce que tout le monde pourra le voir ? Parce que simplement mes yeux refuseront même de s'humidifier ? Je ne peux pas être cette personne. Ça ne peut pas être mes yeux. En fait, ça doit être ça le problème. Mes yeux. Parce que si vous voulez mon avis à moi, mon âme, elle va très bien. Hein. Et mon cerveau aussi, d'ailleurs. Je suis une fille normale, hein, je vous assure. J'ai juste un problème aux yeux, manifestement. Mes canaux lacrymaux qui sont bouchés ou quelque chose comme ça. C'est sûr, j'ai lu un truc là-dessus un jour. C'est pas de ma faute. Hein. Tout irait simplement beaucoup mieux sans ces yeux. Ces yeux qui ne savent plus regarder un film comme il faut. Ces yeux qui veulent me faire renier ma passion alors que sans elles, je ne suis rien et je ne fais rien. Il faut que j'arrête de me servir de ces bons à rien. À cause d'eux, je ne peux même plus me résoudre à regarder des films. J'invente des excuses au travail, j'écris de fausses critiques sur des films que je n'ai même pas vus. Qu'est-ce que ça change de toute manière ? Ok, oui, c'est vrai, je viens de me faire virer du coup. Mais je vous le dis, c'est la faute de mes yeux. C'est de ces yeux dont je ne sais pas quoi faire et qui me pourrissent la vie. Vous savez quoi ? Je crois que j'irai mieux sans eux, carrément. Qu'est-ce qui vaut le mieux entre pas d'yeux et des yeux qui ne fonctionnent pas ? Je vous le demande. Tenez, et si je les enlevais ? Mes problèmes disparaîtraient sans doute. Ça ne doit pas être si difficile, après tout. Voilà, on glisse un ongle, on saisit ça comme une balle de golf et on tire un peu. Ça fait mal, hein, je vais pas vous le dire le contraire, ça fait vraiment très mal. Mais c'est pas pire que d'être insensible, pas vrai ? Bon, il est temps que je dorme un peu. Ah tiens, j'ai dormi. Il fait nuit, je vois rien. J'ai mal. Vite, allumez la lumière. L'interrupteur doit être sur la table de nuit. Voilà. Aucune lumière ? Je vois toujours rien. Qu'est-ce que c'est que ça sur la table ? C'est de... mes yeux ? Seigneur, j'avais oublié, mais... mes yeux ? Ce sont bien mes yeux posés là sur la table ? Mais c'est formidable ! Regardez comme ils sont humides, regardez comme ils coulent. Ils pleurent, n'est-ce pas ? Enfin, mes yeux pleurent. Et maintenant, ils ne s'arrêteront plus jamais de pleurer. Alors, je vais lire un petit florilège de commentaires, si ça ne vous dérange pas très vite. Où vous croyez qu'on a eu notre logo ? Ouch, you, oh non, mais madame, mais ça va pas. Ah, aïe, you, ah, oh. Oh non, mais pourquoi ? Mais enfin, voilà, c'est quelques commentaires parmi d'autres, évidemment. Hein. Merci pour... D'accord. On a aussi m'enfin, mais, et bah, d'accord. Et un commentaire qui s'est perdu, qui dit, et pourquoi pas ? Bon, ça c'est... Très bien absolument écrit. Absolument trop cool, hein. Et en même temps, qui est aussi assez représentatif de ce qu'on a envie de se faire quand on est devant certaines critiques cinéma sur YouTube, par exemple. Mais... Ah, t'as envie de t'arracher les yeux ? Parce que moi, des fois, j'ai envie de leur s'arracher les yeux. Oui, ça peut... Moi, devant des films. Ça peut être dans le... Ça peut être les deux, hein. Ça peut être communicatif. Hashtag Nolan. Oh, allez. J'aime bien t'en regarder The Batman dernièrement. Ou... Moi, j'ai regardé The Batman récemment. Ah bon ? Mais oui, t'en as parlé dans un podcast, j'ai entendu. Je vous propose qu'on enchaîne. Ça sera abordé prochainement, évidemment. Je fais un peu le dégueu. Bon, point raclage, s'il vous plaît, allez-y, là. Point mucus. Alors, on arrive... Attendez, excusez-moi, je vérifie juste dans ma liste. C'est la dernière. C'est la dernière, malheureusement. Et enfin, heureusement pour mes poumons, mais... Non... Alors, dans les jeux vidéo, c'est agaçant quand on se rend compte que les immeubles sont des décors, que la porte et les fenêtres sont juste une texture derrière laquelle il y a juste un polygone creux.
Dans la vraie vie, il y a quelque chose d'incroyable dans le fait de se dire que chaque petite porte, chaque fenêtre débouche quelque part, dans un lieu, dans une petite histoire, tellement de recoins, de couloirs, d'alcôves. Dieu sait ce qu'il peut s'y passer. Cette histoire s'intitule... Formule détente. Je n'ai jamais fichu les pieds dans un spa. Je déteste tout ce qui est bien-être, self-care, avec ses relents de bambou New Age. L'idée de me faire tripoter le dos tout nu par des inconnus est pour moi la définition inverse d'une bonne journée. Passer du temps avec mes semblables transpirants dans de petites cabines surchauffées, non merci. Les douches communes réveillent en moi des vieux traumas d'EPS au collège et je n'ai aucune envie d'être enfermé avec vos vieux zizi dans 3 mètres carrés. Et pour être honnête, je ne veux pas vous imposer la vue de mon corps non plus. Je ne l'ai jamais trop aimé, je me suis toujours trouvé trop gros, trop flasque, trop poilu, trop odorant. Nu, je me sens exposé, indésirable, vulnérable. Même chez moi, je garde toujours un t-shirt. Tout ça pour dire que quand mon amie Lucie m'a appelé pour me parler de cocooning, je lui ai d'abord rayonné. Moi, sur une table de massage pendant 2 heures, pas question. Mais Lucie insiste. Elle a gagné une formule gratuite, massage pour deux, et elle n'a personne avec qui en profiter. Elle s'est séparée en très mauvais termes il y a quelques mois et elle a perdu dans la bataille tout son groupe d'amis qui étaient surtout ceux de son mec. Elle est triste, ça lui ferait du bien. Moi, je suis son beau copain, son pote de toujours. On a même failli. On a presque. Une fois ou deux. Il s'en est fallu de peu pour que... Bref. Elle met beaucoup d'énergie à me rassurer. C'est un tout petit salon. C'est sur rendez-vous. Il n'y a jamais plus de 2 personnes à la fois. Ils ont des super revues, quasiment que des 5 étoiles. Ils sont tout petits, mais tout le monde ne jure que par eux. Vous allez sans doute me juger, mais à ce moment-là, je commence à nous imaginer tous les deux dans la pénombre, presque nus, dans un petit salon ou encore assis dans un hammam. Et soudain, l'idée ne me paraît plus aussi horrible. Voilà que je finis par accepter. Nous nous donnons rendez-vous au bout de la ligne 6, à l'Arc de Triomphe. Il fait déjà nuit et les quelques décorations de Noël restantes s'allument. Je piétine pour me réchauffer en l'attendant. Je suis gelé jusqu'à l'os quand elle arrive enfin, 10 minutes plus tard. Nous sommes étrangement timides l'un envers l'autre, comme un premier rendez-vous. Je ne saurais dire si c'est le froid, mais elle a les joues très rouges. Et moi, j'ai mon cœur qui bat à toute allure. Nous marchons presque en silence en échangeant que quelques rares banalités sur le froid ou la circulation. Quand nous arrivons à l'adresse indiquée sur le site, nous sommes devant un immense immeuble de bureaux. Double escalier, lumière vive, nom d'entreprise sur des plaques de cuivre, rien de très massage ou bien-être. Lucie vérifie l'adresse, c'est bien ce qui est indiqué. Elle réessaie en tapant directement le nom du salon et là le petit trait jaune apparaît sur l'écran nous indiquant de faire le tour de l'immeuble. Et en effet, sur le côté, il y a une toute petite rue et nous y trouvons, entourés de 2 grands pots de tiges de bambou, la devanture d'une échoppe, qui semble fermée. Les lumières à l'intérieur sont très basses, comme des éclairages de secours, et il ne semble y avoir personne à l'accueil. L'intérieur ne ressemble pas tellement à un spa d'ailleurs. C'est un petit hall aux airs de salle d'attente de docteur, un sol carrelé, des murs nus et à part un tableau représentant des montagnes dans la brume derrière le comptoir, rien qui n'évoque le bien-être. Au fond de ce presque couloir, une porte fermée marquée « réservée au personnel » et un escalier qui descend au sous-sol. Mais l'enseigne au-dessus de la porte indique bien « spa détente, massage ». Il semblerait que nous soyons à la bonne adresse. Lucie retient un rire, la main devant sa bouche. « Ok, » me dit-elle. « Je suis désolé, je m'attendais vraiment pas à ça. On peut faire demi-tour et aller prendre un verre si tu veux. Ça a pas l'air foufou. » J'hésite un peu, mais paradoxalement, pour moi qui redoutais de me retrouver dans un truc lumineux et ouvert, ce décor a quelque chose de rassurant. Au moins, on ne sera pas entouré d'inconnus. « Bon, maintenant qu'on est là, on peut tenter. Au pire, ça nous fera un truc marrant à raconter. » Lucie me sourit et pousse la porte, faisant tintinabuler une grappe de cloche en laiton, accrochée au plafond. Aussitôt, quelque chose s'agite au sous-sol et 2 petites femmes rondelettes montent en courant les escaliers. Elles ont la 40aine et ne semblent absolument pas parler français.
Lucie leur montre son téléphone, explique que nous sommes le rendez-vous de 18h30, ce à quoi les deux femmes répondent « oui, oui » en hochant vigoureusement la tête, avant de nous guider vers les escaliers. Elles me jettent un coup d'œil amusé, tandis que je descends péniblement les marches en bois, irrégulières, qui conduisent au sous-sol. « Vous êtes déjà allé dans les toilettes d'un café parisien ? Vous voyez ces colimaçons étranges, dans lesquels deux personnes peuvent même pas se croiser, et où il faut se tenir au mur pour pas tomber ? Vous avez l'image. » Nous arrivons dans un petit couloir, dans lequel je suis presque obligé de me baisser la tête. Une des femmes pointe les portes et annonce d'une voix autoritaire leur fonction. « Toilette, douche, massage !» Elles passent de l'une à l'autre en gesticulant, jusqu'à ce qu'on comprenne la séquence. Nous devons poser nos affaires dans la salle de massage, passer aux douches pour nous laver, et passer par le hammam et le gommage avant de revenir. L'autre femme nous donne à chacun une serviette éponge extrêmement rêche et un minuscule slip qui ressemble à un masque chirurgical. Et elle nous pousse dans la pièce. Et nous voilà donc tous les deux dans une petite salle au mur brun. Il y a une patère pour accrocher nos manteaux et deux tables de massage côte à côte, avec à peine la place pour en faire le tour. Il n'y a pas de fenêtre et nous sommes éclairés par deux petits projecteurs au plafond. Nous nous regardons incrédules avant d'éclater de rire. Une séquence musicale passe la même musique en boucle toutes les minutes. « Oh mon Dieu, je suis désolé, » dit-elle à voix basse. « Je m'attendais à tout sauf à ça. On peut annuler si tu veux. On invente un prétexte et on se barre. J'ai rien payé de toute façon. » Écoute, au moins ça sera une expérience unique. Maintenant je suis curieux. Bon bah c'est parti. Et là nous réalisons nos petits slips en papier à la main qu'il va falloir nous déshabiller l'un en face de l'autre. Lucie doit avoir eu cette pensée en même temps que moi parce qu'elle devient instantanément rouge comme une pivoine. Je vais me retourner et puis on a nos serviettes en papier de verre. Tout ira bien. Ça va, ça me gêne pas. On se connaît depuis suffisamment longtemps et puis... on a des serviettes. Je commence à me changer en essayant d'ignorer derrière moi les bruissements de tissu qui m'indiquent que Lucie en fait autant. Je tremble comme un adolescent, j'enfile le tout petit machin qui m'a été fourni en me tortillant, en espérant ne pas en briser les élastiques. Le truc me fait sentir encore plus nu et ridicule que si je ne portais rien. Je me dépêche d'enrouler la serviette autour de ma taille. Je suis prête. Je me retourne et... Lucie aussi est enroulée dans son peignoir. Nous hésitons un instant devant la porte. Est-on censé attendre qu'elle vienne nous chercher ? Doit-on y aller ? Finalement, je me décide à sortir et nous nous dirigeons vers les douches. Les deux femmes sont là, elles nous attrapent par les poignets et nous poussent dans une petite salle de bain. Comment la décrire ? C'est une pièce minuscule, il y a une table de massage autour de laquelle je peux à peine passer pour accéder à deux cabines de douche côte à côte. Il y a une porte qui donne sur un petit hammam à deux places. Et dans un coin, une machine à laver qui tourne, un panier de linge posé dessus, vibrant en cadence. Le tout sous un éclairage halogène qui fait bien ressortir le jaune pisseux des murs écaillés. On se regarde à nouveau. Lucie a les yeux écarquillés et mime avec sa bouche un « Oh mon Dieu !» en se retenant d'éclater de rire à nouveau. Les femmes nous poussent chacun dans une cabine. Nous voilà en train de grelotter sous des douches qui refusent de chauffer, avec juste un flacon de petits Marseillais que nous devons nous passer par-dessus la cloison. Voyons que nous n'avons pas d'eau chaude. Nos hôtesses rentrent et sortent de nos cabines, agacées, en tripotant les robinets, en râlant dans ce qui semble être du chinois. Je me rince rapidement à l'eau tiède et je sors en premier. Me voilà assis sur la table de massage. Les deux femmes me tartinent d'une sorte de crème brun-vert qui sent les herbes, me soulevant les bras ou me pliant en avant pour m'en mettre bien partout, bien au-delà de ce que je considère comme les frontières de ma pudeur. Elles finissent par me remettre debout et ouvrent la cabine pour tirer Lucie de sa douche. Le temps semble s'arrêter. Elle est là devant moi, vêtue uniquement du petit slip du spa, et je suis à 10 cm d'elle, semblant sortir d'un marécage tellement cette vase odorante me recouvre de la tête aux pieds. Je réalise que je suis en train de la fixer et je lâche un pauvre « Pardon, vas-y, c'est ton tour. » Faussement enjoué, tandis que nous nous frôlons pour passer dans cette salle de bain beaucoup, beaucoup, beaucoup trop exiguë. Je rentre dans le hammam, c'est une cabine qui doit faire 1m50 sur 1m50 avec un petit projecteur au plafond pour très mal l'éclairer. Par la vitre teintée de la porte, je distingue vaguement à travers les gouttelettes de condensation les deux femmes en train de faire subir à Lucie le même traitement qu'à moi.
Je me décide à fixer le mur devant moi. Mon cœur bat très fort. Elle rentre dans la cabine. Nous voilà tous les deux assis, presque nus, dans la pénombre. Il fait très très chaud. Je m'efforce de garder les yeux devant moi pour ne pas la mettre mal à l'aise. Et l'impossible se produit. On finit par se détendre. Au bout de 5 minutes, nous avons un peu oublié notre pudeur et nous nous étouffons de rire ensemble. Elle s'excuse abondamment de m'avoir entraîné là-dedans. Nous partageons les détails que l'autre aurait ratés et nous nous marrons de plus belle. A-t-elle remarqué le panier de linge sale et le carton de lessive bouffé par l'humidité ? Non. Avais-je noté que le sol était glissant à cause de l'espèce de savon dont on nous a enduit et que l'une des vieilles dames avait failli se casser la gueule ? Non. Fou rire reparti. Nous finissons par nous calmer et au bout d'une demi-heure, je commence à me demander si elles nous ont pas oubliés. Je sors, je passe la tête à l'extérieur de la salle de bain. Les deux femmes sont en train d'installer une seconde table directement dans le couloir. M'apercevant, elles m'invitent à m'allonger dessus. L'une d'elles va chercher Lucie dans le hammam et l'installe sur la table devant les douches. Elles sortent alors des gants abrasifs et commencent à vigoureusement nous frotter partout. Je dois avouer que l'expérience n'est pas complètement désagréable. Ma peau brûle un peu, mais il y a un plaisir similaire à celui qu'on éprouve en se grattant. Je ne vois pas Lucie, mais même séparés d'un mur, nous continuons à papoter. Soudain, je sens un courant d'air froid. La porte vient de s'ouvrir et quelqu'un descend les escaliers. Une grande femme brune se tient devant la table où je suis en train de me faire râper le dos. « Vous êtes le rendez-vous de 18h30 ? Vous étiez censé être une femme. » Lucie répond de la pièce voisine. « Non, c'est moi, j'ai vu que vous aviez des formules duo et je voulais pas venir toute seule. » La femme a l'air un peu contrariée. « Bien sûr, je comprends. Quand vous aurez terminé, nous serions heureux de vous offrir la formule avec le bain d'argile. Ça prend juste 1 heure en plus. Pour mon ami et moi ? Non, c'est une formule à 70€, je peux la proposer qu'à vous. Mais si monsieur la souhaite pas, il pourrait vous attendre dans un des cafés du quartier. » Lucie hésite un instant. « Non, ça ira, on voulait juste un massage, je vais pas prendre le bain d'argile, merci bien. »« Très bien, dans ce cas, je vous dérange pas plus. » Elle me jette un dernier regard mi-agacé, mi-amusé, et repart par l'escalier. Très commerçant de leur part comme technique. Je vous en prie, venez me faire des offres promotionnelles quand je suis en train de me faire masser le sif au gant de crin. Lucie rigole. Oui, c'est un peu étrange. 10 minutes plus tard, nous voilà debout dans le couloir tous les deux, tout roses d'avoir été frottés, et à nouveau très intimidés par notre presque nudité mutuelle. Nous entrons finalement dans la salle de massage. Les deux femmes nous indiquent que nous devons nous allonger sur le ventre et mettre la tête dans le trou de la table. Je ferme les yeux. Le massage commence. Je ne suis pas très fan des massages, mais ça se passe plutôt bien. L'enchaînement, douche, hammam, gommage, m'a bien assommé, je me laisse bercer. Les deux femmes parlent moins, elles échangent juste quelques phrases rapides, à voix basse de temps en temps. Non ! Je sursaute. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé. Qui a parlé ? J'ai ouvert les yeux, mais tout est noir. La lumière s'est éteinte. Lucie ? J'essaie de relever la tête, mais la masseuse me la remet en place en faisant « Chut !» J'ai dû rêver. Elle appuie maintenant très fort sur les côtés de ma colonne vertébrale, comme si elle essayait d'en faire le tour avec les doigts. C'est très douloureux. Je veux protester, mais je me sens encore très engourdi de ma micro-sieste. Ce sont peut-être ces quelques secondes à passer, alors je serre les dents. Les deux femmes ne parlent plus du tout. On n'entend plus que le bruit de leur respiration et le frottement de leurs vêtements, tandis qu'elles exercent leurs mouvements. Et ceux-ci semblent de plus en plus rapides. J'entends comme un craquement d'articulation qui vient de la table d'à côté. Lucie pousse un petit gémissement étouffé. J'essaie à nouveau de me redresser. Cette fois, la main se serre brutalement sur ma nuque et je sens une pression monstrueuse me couper le souffle. Je ne peux plus bouger du tout. Je suffoque, j'essaye de me dégager. J'entends Lucie qui se débat. Un nouveau bruit se fait entendre. Le claquement saccadé de dizaines de pattes sur le carrelage. Je sens quelque chose qui grimpe sur la table et me marche sur le dos. C'est comme si on appuyait très fort des dizaines de pointes de stylo à la fois, tout le long de ma colonne. Ma bouche s'ouvre et se ferme en silence. Quelque chose me pique ou me mord à la base du crâne. Je sens un liquide chaud couler sur mes épaules. Mon corps se met à convulser. De la table à côté,
j'entends à nouveau une faible plainte et un bruit sec, comme si on avait cassé une branche morte en deux, puis un bris de liquide crépitant sur le carrelage. Le reste est une succession de flashs. Je me souviens d'explosions de douleur, de quelque chose qui fouillait dans mon crâne, de l'impression d'avoir eu des filaments qui me grimpaient le long des muscles, comme si un arbre brûlant était en train de pousser à l'intérieur de moi. Et puis plus rien. Ce matin, je me suis réveillé chez moi, seul et complètement apaisé. J'ai appelé Lucie, mais je tombe directement sur son répondeur. Je repense à tout ce qui s'est passé hier soir, je souris encore. Malgré le décor qui laissait un peu à désirer, il faut reconnaître que le massage était incroyable. J'ai encore des petits fourmillements délicieux dans le dos. Je m'étire, mon cou craque très fort. Ça me fait rire. Je me sens bien, tellement puissant. Je m'installe à mon ordinateur, il faut que les gens découvrent cet endroit. J'achète une dizaine de formules détente sur leur site et j'envoie tout ça sous forme de cadeau à quelques-uns de mes amis. Ils vont adorer. Toujours souriant, je poste une revue enthousiaste de l'endroit et je leur mets 5 étoiles. Ça voulait tousser depuis longtemps là. C'était long, hein. C'était long. Très bien. Merci. Non, c'était pas flagrant, je crois pas que le chat l'ait vu. À le peine. Chat, vous avez pas vu de. Je suis non, sûre que t'as fait exprès, t'as mis des titres, mais. Ah oui, il y avait enfin, bah, évidemment. Il y avait que ça, c'était j'étais terrible. C'était très très compliqué. Hein, Bon. Donc, bon, moi j'ai perdu mon calme, hein, je vous le dis, j'ai fait n'importe quoi aussi à l'image. T'avais beau m'avoir prévenu qu'il y allait avoir des pattes, je me suis quand même fait surprendre. Ça me fait rire parce que les gens font remarquer qu'effectivement, quand on tousse, c'est le moment où il y a la fumée qui passe. Oui, c'est vrai. Pendant le dong, la fumée, tout le monde est là. Moi ça va encore pour l'instant. Bien, bon. Minuit 10, chers amis, je propose que nous enchaînions directement avec le débrief. On peut-être commencer. Par cette petite histoire de spa, de formule, de détente, également d'angoisse hein, et de massage. Ah bah alors cette histoire, à part évidemment le dernier paragraphe de Body Horror, est complètement vrai. On m'a offert une formule massage. C'était pas une amie, c'était mon épouse. On y est allé ensemble. Et tout ce que je raconte dans l'histoire, c'est réellement passé. C'est-à-dire que tu vas être très gêné de voir ton épouse toute... Non, ça je voulais rajouter. Je voulais, comme le truc était un petit peu horrifique, je voulais rajouter une petite notion un peu ornie dedans. Oh. C'était une histoire que j'avais prévue pour les nouilles du cul. Alors, à la base. Non seulement... Dans le chat, j'ai marqué preview ouais. Des nouilles bordées de cul. Non seulement cette dimension ornie, comme vous dites, n'était pas flagrante, mais en plus de ça, le chat n'est pas du tout client de ça. Ah bah oui. Le chat a été extrêmement sage. Ils ont à peine relevé un sourcil. Moi, j'ai rien vu passer. Ah non, rien du tout. Mais toujours est-il que, pour de vrai, je ne donnerai pas l'adresse de ce spa, évidemment. J'ai changé les détails pour pas comprendre. Alors qu'on aurait pu quand même se faire. Bon, mais ce spa est sponsorisé. Ça pourrait être notre docteur. J'ai réellement. J'aurais adoré. On a passé deux heures à se marrer parce qu'on avait l'impression de subir un massage dans les chiottes d'un café parisien. Mais vraiment, il y avait. La salle de bain, c'était des cabines de douche qui ne fermaient pas. Qui n'avait pas d'eau chaude, avec un seul cube de savon Le Petit Marseillais pour deux. Ouais, donc c'est ok, c'est pour ça que c'était offert. Il y avait une vraiment rentrer dans vos cabines pour vous tripoter les robinets. Ouais, pour de vrai. Pour de vrai, il y a une. C'est terrible. Il y a une dame de 40 ans comme ça qui. J'étais tout nu dans ma douche, qui est rentrée et qui a fait qu'est-ce qui se passe avec le robinet ? Le vrai robinet. Parce que je vous connais. Je vais finir parce que vu les gestes que tu faisais, j'allais poser la question. Mais voilà. C'est un peu haut quand même. Et non, c'était. Et pour de vrai, on avait choisi cette adresse parce qu'il y avait du genre 4,8 de moyenne sur 5. Et. C'est là que t'as. Et, des centaines de revues. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ils mettent quelque chose, ils leur injectent un truc. Je vais en faire une nouille. Voilà, c'est comme ça que l'histoire naît. La narration, ça vient de n'importe où. Vous vous demandez souvent, mais qu'est-ce qui vous inspire dans la vie ? Eh ben, les mondanités de la vie quotidienne, finalement. Et des avis Google aussi, beaucoup. Et pour de vrai, une dame est venue nous faire un speech pour essayer de nous vendre un bain d'argile pendant qu'on était tout nus sur des tables. Pour une personne. Ouais. C'est vraiment une histoire vraie. Pourquoi venir te l'offrir ? Non, c'était 70 euros, quand même. Enfin, c'était... Non, l'autre. L'offrir
elle en offrait rien. En fait, et l'eau, justement. 70 balles. En gros, elle en offrait une, quoi, et on était deux. C'est un bain pour deux, un bain d'argile pour deux. Ouais. Très bien, félicitations pour ce témoignage, on embrasse évidemment votre compagne au passage. Judith. Oui, alors des yeux pour pleurer, pour le coup, là, c'est totalement faux. Hein. C'est vrai que tu les as encore. Voilà, on donc est... grillé. Hein. Oui, oui. Non, en fait, tout simplement, l'autre soir, je quittais le bureau, donc la rédaction d'Écran Large, puisque, voilà, et effectivement Critique Ciné, et en leur disant que, voilà, il fallait que je trouve des idées pour ce soir, et ils m'ont donné des idées pour rire, mais je me suis dit, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire à partir du métier de critique ciné. Alors j'ai un peu complètement brodé, il y a plein de choses ou de réflexions que je fais dans le texte qui sont absolument pas de moi, que je trouve complètement fausses, enfin c'était vraiment pour créer un personnage hyper pédant, mais j'ai essayé de rassembler un peu toutes les critiques de base qu'on peut se manger sur le Twitter ciné, dans les commentaires du site, etc., pour essayer d'inventer voilà ce que pourrait être le complexe ultime de la critique ciné et en faire quelque chose d'horrible tout simplement. Voilà. Le body horror, c'est toujours... Ça marche toujours bien. C'est vrai. On a eu bien une bonne fournée de body horror. J'étais très content, moi, de cette édition de la Subro. Merci beaucoup, c'était super, évidemment. Tim, le fil du souterrain C'est une histoire 100% vraie. J'ai un peu spoilé en disant qu'il y avait une photo, effectivement. On veut la voir. Il y a une photo, mais c'est un montage de 3 photos que j'ai fait et qui sont pas géniales. Et la photo est franchement dégueulasse. Peut-être pas de Twitch. Demandez-lui en MP. Oui. Voilà, j'avais pensé à ça. Si vous voulez la voir, je vous l'envoie en MP sur Instagram Glockland. Mais franchement, c'est dégueulasse. Donc voilà, c'est pas indispensable de la voir, surtout ce soir. De quoi? Eh ben, on ne sait pas. Malgré la photo, c'est pas. Moi, je disais blaireau. Pas. Ça aurait pu être un blaireau, une musaraigne. Une musaraigne, c'est grand comme ça. Ah, c'est petit. Une taupe qui a une tête à peu près grande comme ça, et un sanglier, un ragondin. Mais on n'a jamais eu le mot de l'histoire pourquoi quelqu'un a suspendu cette tête dégueulasse, coupée de son corps, apparemment, dans un souterrain d'un fort abandonné où, genre, il y a une personne sur 1000 qui vient visiter ça. Jamais sous-estimer le pouvoir de nuisance des étudiants d'école d'ingénieurs. C'est possible. C'est vrai. Bonjour, Angoisse, quand même. Merci beaucoup. Puis hâte de voir la photo sur le compte, évidemment. Trop cool. C'était super. C'était vraiment trop cool. En MP, je la publierai pas publiquement. C'est en MP. À vous, risque et péril. Le cri dans les ruines, Thomas, des gens ont grillé. Ouais, bah oui, bravo à vous hein, qui avez dit, mais dis donc. Mais ce serait pas Pokémon par hasard? Bien sûr, tout à fait. C'est notre deuxième fanfiction. C'est les arbis, les yeux. Les arbis, absolument. Yeux. Alors voilà, je vous remets le contexte. Puisque l'idée c'était de faire une fanfiction de Pokémon, mais sans que vous grilliez forcément que c'était Pokémon. Mais en gros, il s'agit, si vous avez joué à Pokémon Or et Argent spécifiquement, il s'agit de Blanche, la championne d'arène de Doublonville, et Hector de la ville du dessous, là. Et qui reçoivent Pierre, dresseur d'arène d'Argenta, et qui sont en vacances tranquillement, et ils vont dans la tour cendrée. Donc, 3 ans avant les événements de Pokémon Or et Argent. Et ils visitent cette tour, et il y a les 3 chiens là qui dorment au fond, et il y a les arbis qui protègent un peu, mais les arbis sont pas méchants, ils font juste un peu peur, et voilà. Et visiblement, ils ont pas révisé, parce que s'ils avaient su qu'ils étaient des arbis, ils auraient pas flippé pareil. Bref, ils sont niveau 5, les arbis, ça va. Voilà, c'était. Ça fait trop plaisir de faire une fanfiction de Pokémon, surtout. Voilà. C'est tout. C'était. Mon petit plaisir à moi. Voilà. En plus, oui, pareil, Astolot, moi, les 3 chiens légendaires, c'est. Enfin, les 3 bêtes, parce qu'il y a un lion dans le coin, mais c'est vraiment chouette. Puis, le lore de Pokémon Or et Argent est incroyable. Meilleur lore. Bref, voilà. Chérie Crime, tu veux nous parler de la main en plastique, le fauteuil? Ouais. C'est une fiction que j'ai effectivement écrite ce matin dans le train. Et ça m'est venu de... ça m'est pas venu de moi d'ailleurs. On m'a soufflé l'idée de regarder dans la liste des objets du jeu vidéo Control, qui est très SCP-like. Que j'ai pas fait. Et du coup, il y avait une main en plastique, une chaise qui existe, hein, qui est vraiment dégueulasse si vous voulez googler, qui bougeait les doigts et je crois qu'il téléportait des gens et tout. Mais j'ai juste gardé l'idée de... T'as une chaise en plastique dans ta maison qui se déplace, et ça m'a juste fait rire. C'est vraiment un anti-famille Adams, quoi. Non mais alors le truc c'est qu'aussi Chérie Crime nous avait dit hier, j'ai pas beaucoup de temps, je suis très fatigué, je suis malade, donc je vais faire juste un témoignage, j'écrirai pas d'histoire originale. Et donc moi j'étais en train de faire les intros et je disais son histoire de main qui bouge toute seule. J'étais là, je vais encore devoir dire à quelqu'un qu'il faut peut-être consulter. Ah. Je pensais que c'était un témoignage et je disais... J'étais encore en train de me dire, il va falloir que je parle de monoxyde de carbone.
Parce que j'ai vu que c'était dans le bingo et je me suis dit, bah voilà, ça va tomber sur l'explication. Donc j'étais super content quand j'ai appris que c'était une fiction. Et oui, non, finalement, comme j'ai eu. Enfin, on m'a soufflé cette idée de regarder dans la liste et que j'ai eu cette idée hier soir, finalement, j'ai écrit une fiction au lieu de écrire un témoignage. Excellente. J'ai beaucoup pensé à la main de Gaston. Ouais, plein de gens dans l'énorme fauteuil Gaston. Elle a l'air très confortable, mais du coup, dans cette situation-là, c'était horrible. Nous arrivons. Au verre qui tourne. Alors, le verre qui tourne, c'est, je l'avais déjà un peu grillé, c'est un témoignage. Donc déjà, merci Marine beaucoup pour ton témoignage. Alors, le spiritisme, il faudrait vraiment en parler pendant une heure. C'est un très vaste sujet. Moi, je ne remets pas en question la sincérité des gens qui en font et qui disent qu'il leur est arrivé des trucs. Ah, il y a l'ombre submarine là, qui dit « Salut, c'est mon témoignage ». Oui, elle m'avait dit qu'elle serait là. Trop bien. Bravo, merci pour ton témoignage, bien sûr. Mais qu'est-ce que je peux dire sur le spiritisme ? Le silence était « Qu'est-ce que je peux dire sur le spiritisme ?» en restant correct et respectueux. Non, parce que je pense que quand on est ado... On joue à se faire peur et on réécrit beaucoup les souvenirs des moments où on s'est fait peur. Moi, j'ai vécu ça avec une amie qui m'a raconté sa séance de spiritisme et qui avait été très marquée par une séance de spiritisme et qui l'a raconté. Je connais cette amie depuis presque 20 ans et je l'ai entendu raconter cette histoire des dizaines de fois et à chaque fois rajouter un détail jusqu'à ce qu'au début, c'était... Bah, Le verre a eu l'air de faire un sursaut, on a eu très peur, on s'est sauvé. Et la dernière fois qu'elle raconte l'histoire, c'est limite le verre a lévité en faisant des flammes rouges. Et tu vois, il y a ce qu'on appelle, un phénomène très connu qui s'appelle la confabulation, qui est le fait que on reconstruit ses propres souvenirs et que on ne peut pas croire nos souvenirs parce que surtout dans des moments où on a été vraiment, où on a subi des émotions très très fortes. Le cerveau a tendance à combler tous les vides, à combler tous les blancs en reconstruisant l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Et on a déjà vu comme ça, il y a eu des tests psychologiques qui ont été faits où on montrait à des gens des vidéos d'agression où un homme blanc poignardait un homme noir. Et avec des questions orientées, en leur faisant revivre le souvenir, en leur reparlant, en utilisant des termes choisis, on arrivait à ce qu'à la fin de l'interrogatoire, les gens qui avaient vu la vidéo disaient « J'ai vu un homme noir poignarder un homme blanc. » Parce qu'on a énormément de biais, de racistes, parce qu'on a énormément de problèmes à traiter, des informations qui vont vite, etc. Donc ça, c'est un premier effet donc, qui s'appelle la confabulation. Et il y a un deuxième effet qui est beaucoup plus mignon, qui s'appelle l'effet Hans le Malin. Alors c'est celui-là, vous l'avez probablement... C'est littéralement le vrai terme ? C'est le vrai terme. Le malin. C'est le vrai terme. Et Hans le Malin, c'est quelqu'un qui comptait très bien. C'était un cheval magicien en Allemagne. Ça devient déjà n'importe quoi. C'est un cheval savant au début du XXe siècle en Allemagne et qui savait compter et ça bluffait complètement les scientifiques. Mais en allemand, il savait compter seulement. Alors, il comptait en tapant son sabot par terre. C'est-à-dire que vraiment, son maître était à côté de lui et lui disait Hans 3 x 4 en allemand. Et le cheval allait taper 12 coups. Hans 7 plus 2 et le cheval allait taper 9 coups. Et on se disait, un cheval ne peut pas comprendre le calcul, l'arithmétique. Et en plus, le cheval était capable d'opérations très complexes pour un cheval, j'entends. Genre 21 divisé par 3 et le cheval tapait 7. Tu vois. Et les scientifiques étaient bluffés et ils observaient le maître pour vérifier que ce n'était pas une arnaque. Mais le maître, lui, il y croyait tout comme faire et ce n'était pas une arnaque. Et en fait... ils se sont rendus compte que, en revanche, ça marchait un tout petit peu moins bien quand le maître était derrière une vitre. Et ça marchait beaucoup, beaucoup moins bien quand le maître était à 3 mètres. Et ça marchait plus du tout quand le maître était dans une autre pièce. Parce que le cheval, en fait, arrivait à percevoir des micro-émotions, un micro-langage corporel inconscient de son maître, et il était capable, juste par empathie, de savoir quand il fallait arrêter de taper. Wow. Et donc le cheval tapait du sabot et tout à coup quand il est arrivé au bon nombre et qu'il sentait que son maître avait une réaction, il arrêtait de compter. Et moi je pense qu'il y a aussi un petit peu quelque chose de ça avec le verre et le spiritisme, wow, où on a l'impression de ne pas s'influencer les uns les autres. Mais je pense que même quand on arrive à faire surgir des secrets avec les lettres et avec le verre, pour moi c'est l'effet Hans le Malin. C'est tu veux voir le surnom de ta grand-mère et inconsciemment peut-être
par ta présence, par ton langage corporel. Alors il faudrait tester ça en double aveugle, tu vois, il y aurait des tests à faire, et je pense qu'ils ont été faits. Et le spiritisme, ça a été essayé par des milliers de gens, des millions de gens le font régulièrement, surtout des ados. On n'a jamais eu aucune preuve filmée. Et puis, il y a un moment, après l'adolescence, les gens arrêtent d'y croire et ça marche pas. Et puis, on a un boulot aussi. Enfin, merde, on n'a pas le temps. C'est ça. Et en plus, tu vois jamais des adultes qui font ça depuis 60 ans et qui disent « Oui, oui, oh, bah, mon démon, maintenant, on se connaît bien et tout. » Enfin, tu vois, il y a toujours un moment où bah, on devient grand et on se rend compte qu'on peut s'arrêter quand l'histoire est un peu cool ou poursuivre un peu et réaliser qu'en fait, on n'y croit pas. Oh là. Alors, est-ce que quand tu grandis, on perd son imaginaire. Ton âme d'enfant. J'aime bien parce que tu dis, les adultes, ils y croient pas et tout. Genre, on a dit tout à l'heure, oh, ce serait bien qu'on ait des partenariats un peu rigolos. Pourquoi pas Ouija. J'étais en mode... Mais c'est intéressant la confabulation dont tu parlais, parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec mon frère, je lui ai dit, tu te rappelles aux USA, quand on a fait ceci, cela, machin, on était en vacances. Il me dit, mais... Et je lui dis, on est ensemble, on joue à la Nintendo, on se marie. Il fait, mais non, toi, t'étais tout seul. Toi, t'étais en juillet. Et moi, je suis allé en août. Et moi, j'ai dit, bah non, on était tous les deux, je sais, on est à la plage, on s'amuse tous les deux. Il fait, non. Et puis, il était en août et moi en juillet. Et pourtant, moi, je me vois jouer avec lui aux USA. Mais en fait, j'étais tout seul. C'est arrivé Est-ce à que mon... t'étais vraiment tout seul. C'était peut-être un autre frère qui était dans la cave. Mais c'est arrivé aussi à mon ami Nicolas Wilde, qui est dessinateur de bande dessinée et qui a fait une BD. À un moment, il voulait regrouper des anecdotes de plusieurs moments. Et donc, il a inventé une scène, il a inventé un pique-nique où il y aurait eu tous ses amis. Et il a raconté cette scène de pique-nique sur une colline où tous ses amis étaient là. Et il a représenté comme ça cette scène en BD. Et il a été très surpris de voir qu'après, ses amis se souvenaient de ce pique-nique. C'est-à-dire que ses amis en parlaient entre eux. Ils disaient, mais oui, c'était au pique-nique. Oh, Bulldog, pardon, j'ai pas vu Bulldog qui était là. Bonjour Bulldog, comment tu vas? Pardon, désolé. Ah oui, d'accord. Bulldog qui sera des nôtres bientôt. Hein, bientôt. Je vous le dis. Eh oui. Mais pardon, donc voilà, on peut recréer des souvenirs comme ça. Il y a eu des expériences très marrantes. Vous cherchez confabulation, vous allez voir, il y avait des psys qui montraient, qui mettaient des fausses photos dans des albums photos de jeunesse de gens et qui leur demandaient de commenter toutes les photos. Et les gens arrivaient à créer des histoires de photos qui n'étaient pas des photos de leur vie, en fait. Il y avait des enfants, comme ça, des adultes à qui on montrait une photo de eux dans un ballon, vous savez, les ballons, les montgolfières, en leur disant, vous pouvez nous raconter cette journée. Et les gens finissaient par recréer le souvenir. Ils disaient, bah, je me souviens pas de grand chose, j'étais petit, mais je me souviens avoir vu ma mère en bas qui me faisait coucou et des trucs comme ça. Et donc voilà, le cerveau humain, c'est une machine à créer des histoires. Ouais. Et je pense que quand on se met dans une situation de stress autour d'un verre en disant, je vais interroger des esprits et des démons, eh ben voilà, on dit à son cerveau, vas-y, lâche-toi, quoi. D'où ma théorie de Disneyland, c'est pas pour les enfants. Ça fait chier tous les adultes qui y sont, ils s'en souviennent pas. Il suffit de faire un photomontage d'eux à Disneyland et tu leur dis, tu te souviens comment c'était chouette. Ah, on est tellement des bons parents. Oh, regarde, wow. Ça, c'est des photos de toi dans l'espace avec Elon Musk. Voilà, arrêtez d'amener vos enfants à Disney, c'est pas pour eux, c'est relou. Économie sur vos sorties familiales. Et maintenant, le vampire et les chatons, peut-être. Ah là, oui. Ah oui, alors quelle ça, horreur. Pour le coup, c'est... Non, en très grande partie vrai, parce que donc effectivement j'ai vécu dans cette petite ville ou gros village du Loir-et-Cher pendant un temps, pendant mon adolescence, un certain nombre d'années, et donc on a vécu dans cette maison où il y avait effectivement ce voisin qui était mais creepy, mais vraiment énorme creep, enfin c'est vraiment le type de voisin où... on sentait qu'il avait une attitude différente quand il croisait une femme dans la rue ou quand il croisait un homme. Allez. Et voilà. Et aussi bien ma mère, moi, que ma petite sœur, on le sentait pas du tout, alors que mon père et mon frère ne voyaient pas spécialement de problème, par exemple. Et par exemple, ma petite sœur, qui était vraiment petite à l'époque, une fois, il l'avait croisée seule, il lui avait proposé de venir prendre le goûter chez lui, quoi. Enfin bon, alors elle l'avait pas fait, évidemment, mais... Normal. Énorme creep. Et donc, il avait cette chatte que moi, je trouvais adorable. Et c'est vrai que dans ce quartier, il y avait pas mal de chats errants et que, voilà, on savait que les voisins essayaient de garder un œil là-dessus. Et donc, cette petite chatte, dont j'ai oublié le nom, enfin, j'ai jamais su d'ailleurs, est effectivement venue mettre bas dans un endroit qui était accessible, moi, depuis le jardin. C'était le haut de la grange du voisin, mais qui était accessible depuis le jardin. Et moi, j'adorais les chats et j'étais émerveillée de l'idée de me dire que j'allais voir naître des chatons et que j'allais pouvoir, enfin, ouais, je sais pas, ne serait-ce que les voir, en prendre soin. Puis elle me faisait complètement confiance, elle me laissait approcher et tout. Mais parfois, je me relevais la nuit, j'allais voir si elle avait accouché et tout. Enfin, bon, c'était vraiment, et le jour où c'était arrivé, mais c'était le bonheur de ma vie, quoi. Et
Et en fait, ouais, le voisin avait pu guetter ça depuis sa fenêtre. Et en fait, mais je veux dire, j'ai même pas compris ce qui s'est passé quand j'ai réalisé qu'il venait vraiment récupérer les chats, les chatons, et qu'il venait les tuer. Enfin, pour moi, c'était pas possible. Et que mes parents laissaient faire. Ils trouvaient ça horrible, mais ils étaient en mode, bah, on peut rien y faire, on va pas adopter des chats. Enfin, j'ai dit, mais. Enfin, ma sœur et moi, on était détruites par ça, quoi. Et donc, voilà, ça a été. Normal. Voisin, voilà. Ce voisin a longtemps été le pic de l'idée qu'on se faisait de haïr quelqu'un, enfin vraiment ouais pour nous, et puis il continue à le croiser dans la rue, puis une fois il avait dit à ma mère, oui je vois bien que vos filles elles me font un peu la gueule depuis, bah oui en fait, bizarre, mais donc, d'où ça peut bien venir, on a appris un certain nombre d'années après qu'il avait été retrouvé dans la rivière du village. Effectivement, oh, c'est un vrai chat dans la vraie ouais. Donc l'histoire est vraie, quoi. Ouais, donc c'est pas moi qui l'ai retrouvé, mais il est vraiment mort. Couvert de toutes petites griffures. Et on sait pas trop exactement pourquoi il est mort. On n'avait pas de raison précise. Mais voilà, il a vraiment fini dans la rivière. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai toujours voulu me dire que c'était lié quelque part. Bien sûr, bien sûr, chef de ouf. Merci beaucoup. C'était également terrifiant, mais super bien raconté. Et les bottes rouges de Tim, c'est tout aussi une histoire vraie. Oh, bah, je m'en doute un petit peu. C'est tu veux vrai. Ou tu veux pas, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Oh et alors, est-ce que vous avez la référence ou pas? C'est la chanson. C'est la chanson, mais tout le monde, les gens dans le chat peut-être ne l'ont pas. C'est une vieille chanson que vous tapez sur YouTube. Richard Boranger. Tu veux ou tu veux pas? C'est une chanson de qui? De Marcel Zanini. Autant pour moi, ouais. Je connais pas. Et qui s'appelle Tu veux ou tu veux pas. Vous verrez par vous-même ce que c'est. Et c'est une chanson qui est très légère, très rigolote. Mais dite dans ce contexte-là, forcément, c'était complètement. Et puis c'est une chanson d'invitation à s'amuser. Au sexe, quoi. Enfin, c'est ça. Et toi, t'étais un gamin quand le mec t'a dit ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, allez, ça dégage. C'est police, prison, direct. Ça m'a complètement passé l'envie de visiter les endroits abandonnés. Je l'ai plus jamais fait par la suite. Non, non, puis le. Genre, l'étrange d'enfiler les bottes dans les mains. Genre, c'est tellement. Les marionnettes, ouais. Je sais pas. Tellement déphasé, tu sais, que ça devient terrifiant, c'est en fait. Ouais, quand tu t'ennuies, tu t'imagines, tu te mets à jouer tout seul. Ouais, c'est ouais. Ma grand-mère faisait pareil, mais elle chantait la pêche au moule, donc ça n'a rien à voir. C'est ça, voilà. Mais pour le coup, avec des chaussons, quoi. Les bottes, ah non, j'allais dire le bottes en caoutchouc, pêche au moule, tu vois. Non, mais oui, mais pas en fait, tout est hyper glauque. Enfin, il n'y a rien de défendable, hein, vraiment. Oui, voilà. Bon, tu veux nous parler de démonétiser? C'est à une puce près dans le crâne, c'est. Pas une histoire vraie qui s'est passée, mais c'est 100% des discussions qui ont lieu en ce moment même. Et c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes aujourd'hui, si vous voulez savoir comment percer sur TikTok. C'est vraiment le fruit de nombreux... Ça fait quand même, depuis quoi, 2017, que je travaille vraiment... Ouais, 2016, que je travaille vraiment sur les réseaux sociaux, donc 8 ans. Et on en a vu des choses, et on a entendu des choses, et on en a vu des directeurs et directrices de clientèle, de choses comme ça. Et effectivement, c'est des discussions qu'on a avec aussi bien le franglais, et surtout le truc de... Moi, c'est le truc qui me fascine en ce moment, c'est la façon dont le langage est transformé, non pas pour la bien-pensance. Le langage est transformé non pas parce qu'on devient puritain, mais parce que les annonceurs veulent que tout soit beau, tout soit joli. Vous le voyez si vous regardez sur TikTok, des gens qui s'autocensurent, qui n'osent plus dire, par exemple, des mots comme relatif au meurtre, relatif aux agressions sexuelles, voilà, ce genre de choses. C'est assez terrifiant de voir comment ça glisse, et le fait de simplement en parler même sur Twitch fait que peut-être une chaîne peut être bannie ou pas dans certains contextes. Et donc, et tout ça n'est pas évidemment pour des questions morales, mais pour des questions de satisfaction des annonceurs. Capitalistique, c'est-à-dire que c'est pour que les annonceurs puissent sereinement financer des émissions sans se dire oh là là, les propos vont être polémiques, les émotions vont être négatives, je pourrais pas vendre. Alors qu'à côté de ça, ils arrivent à financer les pires ordures de YouTube et des réseaux, mais bon, voilà. Et puis après, le reste, c'était le talent de Judith, hein. Qui essayait de rendre hommage à Clara. Ouais, bah voilà. Oui. Là, tu l'as, je pense qu'elle serait. Elle est fière de toi. Je pense qu'elle est aux de là où elle est. Je recycle mes blagues. De là où elle est, je suis sûr qu'elle est fière de toi. Et puis nous arrivons à la comptine. Qui, exceptionnellement, n'a pas été écrite par moi. Et du coup, je l'ai un peu foiré, j'ai cafouillé. Non, elle était très bien. Super. Le don du milieu m'a un peu surpris. Oui, c'était une petite création. C'est Thomas le saboteur. Exactement. Une petite, Cette fois, c'est pas moi qui ai écrit la comptine, c'est Boulet. J'ai mis un message un peu désespéré en disant « Les amis, je suis trop fatiguée, là, je vais pas y arriver. » Et Boulet a fait la blague de « Je vais faire une histoire où je vais dire de tout cramer. » Et j'ai rigolé, et je m'attendais pas du tout à ce que t'écrives vraiment une comptine. Ah bah voilà.
Voilà. Bah, je voulais essayer et c'était marrant à faire. Et donc, c'était super. C'était vraiment très très bien. Ouais. Vous êtes bien gentil. Attends, je reviens un instant sur démonétiser. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que ça faisait penser à un épisode de Black Mirror, mais en vrai, moi, je me dis, il y a vraiment un scénario à faire là-dessus. Ah non, mais en fait, ce qui est terrifiant, c'est... mais ça, c'est le problème de Black Mirror depuis quelques temps, c'est que c'est très dur de faire un épisode de Black Mirror aujourd'hui. Oui. Parce que, en fait, c'est. Il n'y a qu'à se pencher. C'est-à-dire, vraiment, c'est. Ouais. Là, cette histoire de d'autocensure sur TikTok, elle est tellement évidente, il n'y a pas besoin d'aller loin pour la trouver, mais oui, enfin... Ouais, mais la chute, c'est hyper efficace. Enfin, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a un film... Merci, c'est gentil. Bah, peut-être que ça arrivera. Si vous êtes annonceur... Si vous êtes annonceur, filez-nous de l'argent, on verra ce qu'on pourra faire ensemble, bien sûr. Bien sûr. Si vous avez des marques cool, par exemple... Ouais, et de l'argent à dépenser... N'hésitez pas à nous envoyer des mails. Bien sûr. Alors, on va vous remercier. On a réussi à finir avec une demi-heure de retard en commençant à l'heure. Exactement, c'est fou ça. Donc, arrêtez. C'est parce qu'on a fait. Du moment qu'on finit avant 1h du matin, nous sommes dans les temps. C'est parce qu'on a fait du rap de nouilles, voilà. C'est exactement, il y a un petit plat supplémentaire. Évidemment, on va vous remercier, vous. Je voudrais encore une fois avoir un grand remerciement pour Space Kairou qui a vraiment aidé à la mise en place de tout ça, qui a fait les petites lumières derrière et tout, vraiment bien. Il est juste là. Mais... très bien, le suivez-le sur Twitch, bien évidemment. Nous avons également Crani Valette, la Nymphe des Bois, qui a fait le pins que vous voyez là. On a le pins de la Nymphe des Bois que je vous invite évidemment à suivre sur la chaîne en live. Bubu, il faut qu'on aille boire un verre très vite. Je t'écris dans pas longtemps et je t'écris demain. C'est quoi et, message perso dans le chat. Et Marine. Mais non, mais. On se voit demain à 3h. Build Up, ça fait depuis, je pense, allez, depuis la première émission, la première édition, il faut qu'elle vienne. Et je pense que le temps est venu. Le temps est venu de faire venir Build Up en une rampante. Allez, si d'accord. Vous connaissez Build Up, vous connaissez Bubu. Mais évidemment Bubu. Qu'on connaît Bubu. Voilà, c'est, il faut. Voilà, donc on va la prendre en embuscade et ne pourra pas refuser l'invitation. J'ai décidé d'envoyer des invitations ominous, un peu effrayantes, en mode oui, tu vas venir et ça va être extrêmement bien. Trop cool. Voilà. Oui. L'actualité de notre. Alors voilà, c'est là que je voulais dire, surtout. Oui, oui. Alors bien sûr, merci à Judith, à Poulet et à Jerry Krim qui ont été fantastiques, mais surtout un grand merci à Tim pour être. Yes. Venu. Merci. Voilà. Qui peut-être un ouvrage Glockland, Glockland c'est un compte Instagram, oui. Qu'est-ce que c'est d'autre? Alors, Coradio, wow. J'ai dit que c'est pas moi qui en parlerai. Parce que tu peux en parler. Ça fait un peu, je vends ma lessive. Je fais la meuf du téléachat. Voilà. Bah, parlez-en peut-être. Oui, c'est mon dernier livre qui est sorti en novembre dernier et qui compile 25 années d'exploration urbaine en France avec des photos et des récits et quelques petits dessins. C'est très beau. C'est un très bel objet. Dans lequel vous voyagerez, découvrirez des endroits abandonnés, chargés d'histoire, chargés d'aventures, des illustrations qui vous emmèneront partout aux quatre coins de la France et peut-être du monde, mais surtout de votre cœur. Glockland. Pour tout livre acheté, un billet de personnes pour le salon Massage Détente. Allez, stop. Ça suffit, merci beaucoup. On se retrouve bientôt, dès qu'on peut pour bientôt. Les nouilles du cul. On guette toujours. On vous tient au courant. On si guette toujours voulez, le créneau idéal. Si vous voulez être au courant en temps réel, suivez Instagram. Voilà. Instagram des nouilles. J'espère qu'on a passé les 4000. J'espère qu'on peut compter sur vous. Et puis, au pire, vous partagez, vous dites les gars ou les meufs, venez, abonnez-vous aux nouilles rampantes, c'est super. Exactement. Et puis ça. Voilà. Est-ce que je peux dire une deuxième actu? Je t'en supplie, bien sûr, évidemment. Lundi prochain à 17h, je suis sur France Culture pour parler d'Urbex dans la série LSD, qui veut dire la série documentaire. Pas la drogue. J'adore ces podcasts. Et voilà, et on a fait ça dans un endroit abandonné et je raconte un peu. Bon, bah, le truc, c'est que maintenant que tu as parlé de France Culture, ici, tu devras parler de nous. Exactement. Et leur dire la semaine dernière. Excusez-moi, j'ai une actu. La semaine dernière, j'étais aux nouilles rampantes. Le replay est probablement pas disponible. Ah, si, bien sûr que si, parce que chez Rekrim, sur YouTube, des c'est pas vrai, c'est ce que j'allais dire. Du coup, les replays ne sont plus disponibles sur Twitch. Tout à fait. Pour des raisons de comptabilité de. Oui, de vue, stade. Parce que voilà, on a de... besoin d'avoir des comptabilités. Regardez-les sur YouTube. Des comptabilisations fiables. Mais par contre, à la fin de la semaine suivante, chaque live,
c'est mis en ligne et c'est garanti sur la chaîne YouTube des Nouilles. C'était décousu, mais vous avez compris. Voilà. Alors abonne-toi et mets la petite cloche. Exactement. Sur ce, on va vous laisser passer une très très belle. Bon, il y a personne. Je vais vous envoyer chez Shakawa pour le raid, vu que je vois pas grand monde de connecter ce jour. Vous l'embrassez de ma part, évidemment. Je vous embrasse et puis bah voilà, passez une bonne nuit. Ça va. C'est dur de taper et de parler en même temps. Et puis voilà, passez une bonne nuit. Passez un bon moment, merci bon courage. Venu. Comment il écrit son nom? Mais Shaka, mais il peut pas s'appeler Pierre comme tout le monde, lui. Shaka. Je crois que je l'ai. C'est et au pire, si ça marche pas, c'est une fail de raid. Est-ce que ça marche? Ça me rassure parce que putain, sur ma chaîne, bon. J'essaie de raider parfois. Et non, ça marche pas. RAID, c'est. Ça marche pas? Si, si, c'est bon. C'est bon. Allez, passez une très belle soirée, je vous embrasse. Salut! Dites bisous. Bonjour à chaque fois de ma part. Et puis, merci d'avoir été là, surtout vraiment. C'est toujours le meilleur rendez-vous du mois pour. Parlez-en à vos amis. Allez, des bisous. Salut! Bye bye!